grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand que ce que
es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Excellent, tu es merveilleux, tu es plus grand que ce que l'on dit. Je veux t'adorer de tout. Je veux t'adorer de toutes mes forces. Je veux t'adorer de tout mon âme, car tu es mon Dieu. Être guidé par toi, les yeux
fixés, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi. Être guidé par toi, les yeux fixés. Pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Seigneur, t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, je veux t'adorer, Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qui m'accorde d'être là ce soir. Je bénis l'Éternel pour l'avenir au parent spirituel, pour que c'est un que Daniel a. Nous allons continuer avec la prière, bien aimé. Alléluia. Je t'invite à vous taper dans le livre de Luc 9, verset 1. Luc chapitre 9, verset 1. Nous allons lire ensemble. Luc chapitre 9, verset 1. Il est écrit au nom de Jésus. Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Alléluia. Jésus ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Actes chapitre 4, versets 29 à 31. Actes chapitre 4, verset 29 à 31. Les déclarations de Jésus. Et maintenant, Seigneur, vois la menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Verset 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, bien aimé. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Marc chapitre 16, verset 17 à 18 est écrit au nom de Jésus. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Bien, tu répètes après moi. Père, Père, pendant que nous prions, pendant que nous prions, des miracles, des signes, des prodiges se manifestent ce soir pendant que nous écoutons ta parole au nom de Jésus-Christ. Père, pendant que nous prions, des miracles, des signes, des prodiges se manifestent ce soir pendant que nous écoutons ta parole au nom de Jésus-Christ. Sommes en prière. Mandele kouya baka, chaque fois les quatre et les ben telegede ayakan kwa. Père, pendant que nous prions ce soir, les bons telegede, il y a là des miracles, des signes, des prodiges se manifestent ce soir pendant que nous écoutons ta parole au nom de Jésus-Christ. Les ben telegede, jataya bata legede, il y a là les ben telegede, raka kwa les quatre mantaya bata, Père, pendant que nous prions,
secourir en ce lieu. Quiconque est venu pour écouter ta parole, Seigneur, les bains télégédés reçoit la vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, les bains télégédés, jatayabata, il y doit là. Père, pendant que nous prions en ce lieu, les signes, Seigneur, les miracles, les prodiges se manifestent ce soir pendant l'écoute de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, ma prière, les bains télégédés, manjaka kwalegato, radache, les bains télégédés, il y doit là. Les kuntabata, Père, merci pour ton Esprit Saint qui sature ce lieu, qui remplit ce lieu maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute chair en ce lieu, Seigneur, est saturée par ta parole, est saturée par ton esprit. Ta présence prend le contrôle de ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, en prière. Elle est bien télégédé, jatayabata, il y doit là. Ô Père, pendant que nous prions ce soir, pendant que vous allez écouter ta parole en ce lieu, plusieurs reçoivent la vie. Plusieurs reçoivent la vie. Au nom de Jésus-Christ, il est bien télégédé, ma jatayabata, elle est bien télégédé, rakta kwalegato, mangdele kouyabata, il y doit là. Car tu nous as dit dans ta parole, dans leur détresse, il crée l'éternel, il envoie sa parole, il est guéri, il est fait chapeau de la fosse. Alors Père, pendant que nous prions, Seigneur, quiconque est venu en ce lieu pour écouter ta parole, mon Dieu, mon roi, reçois son miracle ce soir, reçois son miracle ce soir, reçois sa guérison au nom de Jésus Christ. Les bains télégédés, majatayabata, il y doit là, ramachete, les bains télégédés, jakakwalegato. Père, pendant que nous prions en ce lieu, des signes, des miracles, des prodiges se manifestent ce soir au nom puissant de Jésus Christ. Les bains télégédés, jatayabata, il y doit là. Bien aimé, c'est comme ça que tu pries. Les bains télégédés, majatayabata, légédés, rakakwalegato, ramachete, les bains télégédés, il y doit là. Père, pendant que nous prions en ce lieu, des signes, des prodiges, des miracles se manifestent ce soir pendant que nous écoutons ta parole au nom de Jésus Christ. Les bains télégédés, majatayabata, ibalakata, jatayabata, les bains télégédés, ramachete, palier, ayapa, les bains télégédés. Père, merci pour ta parole en ce lieu qui délivre plusieurs. Mangtayabata, Jacques Kakwalekoto, les bains télégédés, ayakankwalekoto, les kuntabata. Père, pendant que nous prions, Seigneur, des signes, des prodiges, papa, des miracles sont manifestes ce soir par la main de ton serviteur, par sa bouche, Seigneur, à travers la parole qui ressort ce soir au nom de Jésus Christ. Les bains télégédés, jatayabata, il y doit là. Père, pendant que nous prions, Seigneur, quiconque est venu à ce programme pour écouter ta parole, mon Dieu, mon roi, ne rentre pas de même au nom de Jésus-Christ. Les bains télégédés, jatayabata. Oh Père, pendant que nous prions en ce lieu, des signes, Seigneur, des miracles, des prodiges se manifestent ce soir pendant l'écoute de ta parole au nom de Jésus-Christ. Les bains télégédés, jatayabata, il y doit là. Les kuntabata, ramachete. Père, pendant que nous prions, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Seigneur, qui apporte la lumière, Seigneur, à plusieurs parmi nous en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, les bons télégédés, jatayabata, qui écoute ta parole en ce lieu, les bons télégédés, est complètement libre au nom de Jésus-Christ. Mangtayabata. Les bains télégédés, majata kwalegato, les kuntabata. Père, tu nous as dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Alors, Père, qui est venu en ce lieu pour écouter ta parole, mon Dieu, mon roi, est complètement délivré, est complètement libre. Au nom de Jésus-Christ, les bains télégédés, majata yabata, les bains télégédés, rakakwalegato. Oh, Père, pendant que nous prions ce soir, des miracles, papa, des signes, des prodiges se manifestent ce soir au nom de Jésus-Christ. Pendant que nous écoutons ta parole, les bains télégédés, jatayabata, il y doit là. Ayapa yapa, et les bains télégédés, mangdele kouyabata, palier, ibalakata, les bains télégédés, jatayabata. Les bains télégédés, rakakwalegato, les bons télégédés. Oh Père, pendant que nous prions en ce lieu, Père, merci pour ta parole. Père, merci pour ta parole, Seigneur, qui libère plusieurs familles ce soir. Les télégédés, majatayabata. Père, merci pour les guérisons, Seigneur. Mangtayabata légédés, ramachete. Les bons télégédés, jacques kakwalegato, les kuntabata. Père, merci parce que pendant que nous prions ce soir, le Saint-Esprit.
Saint-Esprit sature ce lieu. Le Saint-Esprit sature ce lieu. Les bains télégodés, rakta kwalégato, les bons télégodés, les kuntabata, les kuntabata. Père, merci pour ta parole ce soir. Il y a autorité, il y a effet, Seigneur, sur plusieurs ce lieu. Les bons télégodés, rakta kwalégato, radash, les bains télégodés, il y doit là, il y doit là. Père, pendant que nous prions, Seigneur, mande le kouyabata, des signes, des prodiges, des miracles, Seigneur, se manifestent ce soir, se manifestent ce soir. Nous ne rentrons pas de même, Seigneur. Les bentelegodes, ma jacta kwelekato, ibalakata, ibalakata. Oh Père, pendant que nous prions, Seigneur, lili toi là, les bentelegodes, jacta kwelekato, jacta kwelekato, ramache. Les bentelegodes, ma jacta kwelekato, lili toi là, les bentelegodes, jacta kwelekato, radache, les bentelegodes, bien aimé prix, mantaya badalegodes, lili toi là, les kuntabata, les kuntabata, palier. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis amen fort. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur qui t'exauce. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami, ton amour me suffit, tu me suffis, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami, tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami, tu me suffis, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Prends le micro. Emmanuel, mon ami, tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami, tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Ton amour est... ton amour pour moi, ton amour, ton amour, ton amour, ton amour, ton amour est... Mon ami, 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 mon
Le Seigneur, tu peux fermer. Tu peux faire mieux. Ce soir, tu vas me parler, Jésus est. Jésus est, et ce soir tu vas me parler. En Jésus est, ce soir tu vas me parler. En Jésus est, et ce soir tu vas me parler. En Jésus est. Mon Jésus, ce soir tu vas me parler. Mon Jésus, et ce soir tu vas me parler. Mon Jésus, ce soir tu vas me parler. Mon Jésus, et ce soir tu vas me parler. Mon Jésus, acclame le Seigneur. Father, thank you for your presence, thank you for your spirit, your word, your power, your glory, your angels, your knowledge, your wisdom. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your blessing our lives. In the name of Jesus, clap for Jesus. Keep on clapping. Continue d'acclamer. Keep on clapping. Keep on clapping. Hallelujah. You may be seated. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord Jesus. Rota kilamande yada. La parole de Dieu est mon caractère. Hallelujah. Praise God. Jean chapitre 15, c'était notre texte de base. On va lire aujourd'hui au verset 15. Jésus va dire, je ne vous appelle plus mes amis, je ne vous appelle plus les serviteurs, mais je vous appelle désormais mes amis. Il dit, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Alléluia. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. Alléluia. Praise God. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait que Jésus l'appelle son ami? Praise God. Mais regarde ce qui est dit dans le texte. La mentalité religieuse voudrait qu'on dise des choses de Dieu sans comprendre ce que Dieu dit dans sa parole. Regarde, il n'appelle pas tout le monde ami. Jésus est mon ami. Mon meilleur ami. Mon ami de tout le temps. Toujours prêt à me. Tout le monde chante ça, mais ce n'est pas vrai pour tout le monde parce que tout le monde n'est pas ami de Jésus. Regarde, il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami. Alléluia. Je vous ai appelé comment? Ami. Praise God. Oh, oh, oh. Oh, 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 hey, 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 hey,
Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Il dit, je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. Personne n'entre dans l'amitié à moins qu'il ne connaisse tous les secrets. Or, Dieu ne cache rien. Il révèle toutes choses et il met à ta disposition sa parole. Mais il ne peut pas te forcer à lire sa parole. C'est toi-même qui décides de lire. Homme de Dieu, ça fait des années que je suis à l'église, ma vie ne change pas. C'est toi-même le problème. Si on te demande combien d'années tu as déjà fait à l'église, tu peux dire 5 ans ou 10 ans. Mais si on compte les années et on te demande qu'est-ce que tu connais de Dieu et de la Bible depuis 10 ans, tu vas voir que tu ne connais pas grand-chose. Si je te demande maintenant Genèse 1, verset 1, dit quoi? Verset 2, dit quoi? Verset 3, dit quoi? Depuis alors 10 ans que tu traînes la Bible, tu ne connais pas Genèse 1, verset 5. Comment ta vie va changer? Tu vas toujours te plaindre. Il faut apprendre de nouvelles choses pour avoir une nouvelle vie. Il faut apprendre de nouvelles choses. On dit aux gens, cessez de vous plaindre. Vous êtes nés de Dieu. Et la Bible dit, ce qui est né de Dieu a triomphé du monde. Les gens vont dire amen. Mais ils ne vont pas refléter la vie, ou alors leur vie ne reflétera pas la vie de ceux qui sont nés de Dieu. Il dit tout ce qui est, même un peu 1 Jean 5, verset 4. Comprenez une chose, Dieu a une manière de vous voir. C'est la manière de la parole. Il faut que tu comprennes. Le toi-ci doit être reformé. C'est ce qu'on appelle transformer. Tu étais quelqu'un qui aimait, qui avait telle habitude, telle autre habitude, qui aimait telle chose. Quand tu viens à Christ, il ne peut pas te laisser avec les habitudes là et te faire voir sa gloire. Jamais. Donc, il faut t'attendre à être formé d'une autre manière. On doit te former, t'aiguiser. Amen. Praise God. Alléluia. To shape you. Praise God. Alléluia. Il y a une nouvelle forme. Ah, le moi-ci n'aime pas quand on me fait comme ça. Le moi-ci n'aime pas. Le toi-là ne peut pas voir la gloire. J'aime manger à ma manière. J'aime dormir à l'heure que je veux. J'aime me réveiller quand je veux. J'aime. Vous ne trouverez personne que Dieu utilise, que Dieu n'a pas taillé à sa manière. Personne. Détrompez-vous, je dis personne. Personne. Cette histoire où on vient à l'église, on veut à tout prix le succès, sans connaître comment Dieu veut qu'on soit et qu'on se comporte, ça ne vient pas de Dieu. Et ne voyez pas quelqu'un se marier, quelqu'un avoir les enfants, quelqu'un voyager, et vous attribuer cela à Dieu. Non. Parce que lorsqu'on va lire la Bible, on verra comment Jésus va dire. Il y a des gens qui sont riches. Il ne nie pas, il dit que tu es riche. Mais pas riche pour lui. Parce que en fait, Dieu est un père pour ses enfants. Le mot père du grec abba signifie source. C'est pourquoi quand on veut savoir si ce père est vraiment le géniteur, on fait des tests d'ADN pour savoir s'il est réellement la source. Ok? Donc, ce qui est important dans le succès qu'on a, ce n'est pas le succès lui-même, ni ce qu'on a, c'est la source. Vous comprenez? Alors,
Parce que si tu veux t'enrichir, il y a beaucoup de, moyens pour que tu t'enrichisses. Si tu veux voyager même pour partir en Europe, ce n'est pas difficile, c'est très très facile. Mais ça ne veut pas, ça ne signifie pas que Dieu est derrière. Lorsqu'on a vu la vidéo que j'ai jouée ici dimanche, on a vu le jour de la prophétie et on a vu l'accomplissement. Ce n'est pas une histoire forcée. Ce n'est pas un voyage forcé, un voyage à tout prix. On a vu le jour de la prophétie. Et ici, parle l'Éternel. 3, 4, on sera hors. Ces termes. Praise God. Et on a vu l'accomplissement. Donc, ça veut dire que ce voyage a pour source Dieu. Dieu est le Père. Il est la source de ce voyage. Tu comprends quelque chose? Parce que regarde, beaucoup de chrétiens veulent les choses, veulent l'argent pour acheter le terrain, construire, avoir des voitures. Le plus important n'est pas ce que tu as, mais c'est la source. Parce que si Dieu n'est pas la source, après que tu aies eu tes choses, tu vas finir en enfer. C'est pourquoi vous venez apprendre les voies de Dieu. Or, ici, Jésus dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Et il dit, le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Il dit, je vous ai tout appris, donc vous êtes désormais mes amis. Je vous ai appris, je vous ai fait connaître que tout ce que j'ai appris de mon père. Donc, je vous ai connecté à la même source. C'est-à-dire que Père vient de Abba, qui signifie source. Praise God. Alors, Dieu, même si tu nais de lui, c'est-à-dire que tu as confessé Christ, tu es né de nouveau. Dieu ne va pas changer ton histoire parce que tu es né de nouveau. Il va changer ton histoire proportionnellement à ce qu'il t'a appris de lui que tu connais. Ça veut dire que tu peux être enfant de Dieu et toujours malade parce que tu es un bébé spirituel. Quand tu vas grandir, arriver au stade de la maturité, tu vas constater que tu n'étais pas supposé être malade. Par exemple, si tu défends un enfant de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans de jouer avec ses amis dans le sable, il va penser que tu ne l'aimes pas. Quand il grandit, tu lui demandes de repartir jouer dans le sable. Là où tu es là, ça te demande d'aller marcher pieds nus dans le sable. Tu vas penser que c'est on te demande de devenir fou. Il va laisser ça de lui. Tu laisses ça de lui, de toi-même. Pourquoi? Parce que tu as grandi. Donc il y a des choses qui ne seront pas pour toi tant que tu es encore bébé. Alors le seul moyen pour toi de grandir, ce n'est pas de voir un pasteur pour qu'il prie pour toi. C'est d'aller à l'église. Avoir un bic, un gros cahier, une bonne Bible. Avoir un bic bleu, bic rouge, bic noir. Prendre des notes. Apprendre, étudier, grandir. Manifester. Parce que la création attend ta manifestation. La création attend ta manifestation. Mais tu ne peux pas te manifester aussi longtemps que tu es encore un bébé. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 19, la création tout entière attend vers un Adam désir. La manifestation des fils de Dieu. Où sont les fils de Dieu? Les fils de Dieu sont à la base enfants de Dieu. Qui ont grandi, ils sont devenus fils. Les fils, ils ressemblent au Père dans toutes choses. Regardez, même quand un enfant vient de naître à l'hôpital, on ne peut pas réellement dire à qui il ressemble. C'est pendant qu'il grandit. Il voit, il peut avoir une tête ronde, en grandissant, ça devient comme si c'est rectangle ou carré. On peut dire qu'il ressemble à son père, mais après il grandit, on dit qu'il ressemble à sa grand-mère. Donc tu vois, pendant que tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu n'as pas de forme encore spirituelle. You are still a babe. You have to grow. Agabayatekibaha. You have to do what? To grow. As you are growing, tu vas découvrir des choses. Ah, la maladie, ce qui m'a empêché de te dire de faire telle chose, n'était pas supposé m'empêcher. Ça m'a empêché d'avoir de l'argent. Parce que le jour où je suis tombé malade, je n'ai pas fait ce que Dieu m'a demandé de faire parce que j'étais malade. Or, la maladie ici n'était pas normale. Pourquoi? Parce que je n'avais pas suffisamment de connaissances. Et tu peux rester des années de piano de la jouer. Augmente un peu le volume. Merci. Regarde. Tu peux rester longtemps malade et penser que c'est toujours... Et tu vois, tu... Tout dépend de là où tu as cru, dans quelle église, des assemblées où tu as commencé ta marche chrétienne. C'est pourquoi la Bible dit que quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Bro,
Regarde, un enfant qui part à l'école pour la première fois, ça dépend de quelle école vous mettez, dans quelle école vous mettez cet enfant. Tu as compris ce que je dis là? Yeah. Praise God. Alléluia. Quand tu commences ta marche chrétienne, et à l'église où tu as commencé, on ne t'a pas très tôt, très vite dit qu'il te faut la Bible, il te faut le cahier, il te faut le bic. Et tu prends un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Quand tu vas arriver là où on demande maintenant qu'il te faut le bic, le cahier, la Bible pour lui, ça va, il va start boring you. Ça c'est quoi ça? Le pasteur, si c'est quoi? Tout ce que je connais, c'est quand on parle, le pasteur reçoit les gens, il peut pour les gens, on rentre tôt. Sans quoi que la Bible, Genèse 1, Genèse 2, ton problème, c'est là où tu as commencé ta foi. Là où tu as commencé à persévérer. C'est pourquoi ce n'est pas seulement le fait de dire que je suis enfant de Dieu. Là où tu as commencé, c'est très important. Dans le psaume 11, verset 3, la Bible, quand les fondements sont renversés, il y a les chrétiens qui vont dire que c'est maintenant. J'ai comme impression que c'est maintenant que moi j'ai commencé le christianisme. Mais ils parlent l'église depuis. Certains même ont été ordonnés X et Y choses. Jamais fait l'école de fondation. Jamais connaît. Jamais, jamais. Les passer 3, 4, 5 heures de prière, jamais, jamais. Non-stop. Priant là, non-stop. Se réveiller la nuit. C'est tout ça est nouveau pour toi, mais tu es chrétien depuis. Le problème, c'est donc quoi? Là où tu as ta base, ta fondation, ton fondement. Là où tu as commencé ta marche chrétienne. Et je vais te choquer maintenant. Tu peux demeurer comme ça, religieux pour toujours. Il n'y a rien de concret que tu connais. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un prend les morceaux de sucre et il met dans un verre d'eau. Il dit que je veux tourner, je veux avoir de l'eau sucrée. Il presse le citron dans le lieu et dit je veux avoir de l'eau citronnée. Il sait ce qu'il est en train de faire. Mais toi, depuis que tu es de nouveau, tu sais faire quoi? Tu sais faire quoi plus quoi qui donne quoi? Tu as mal maintenant au pied. C'est le jour où ça va finir que tu vas marcher normalement. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour enlever ça instantanément. Aucune formule spirituelle, rien. Les fondements. Touche ton voisin, dis voisin, ça va bien, ça va bien. Voisin, ça va bien, ça va bien, voisin. Dis-lui les fondements, les fondements. Dis-lui voisin, les fondements, les fondements. Praise God. Yeah. Il te dit quand un enfant vient de naître, il n'a pas encore réellement sa forme. Amen. Praise God. Certains parents, quand l'enfant naît, commencent à tourner les bras de l'enfant pour que ses os, ils s'habituent à tordre. Tu vois les gens qui tordent le corps, tu sais de quoi je parle, n'est-ce pas? Yeah. Il n'a pas encore de forme. Donc tu ne peux pas dire réellement s'il ressemble au père ou à la mère ou au grand-père ou à la grand-mère. Mais pendant qu'il grandit, certains disent qu'il ressemble à la mère. Après 5 ans, on dit non, c'est la photocopie de son père. Parce que pendant qu'il est bébé, il n'a pas vraiment la forme. Quand tu es spirituellement bébé, tu n'as pas de forme. Tu vas voir qu'aujourd'hui, tu dis, tu sens vraiment comme si Satan ne peut pas passer à côté de toi. Deux semaines plus tard, tu es comme enterré. Tu ne veux pas lire ta Bible, tu ne veux pas aller à l'église, tu ne veux pas jeûner, tu ne veux pas prier. Te réveiller la nuit pour prier, c'est la bagarre. C'est comme si on avait mis les sacs de ciment sur ton corps. Tout le corps pèse. Te lever la nuit pour prier, c'est difficile. Jeûner même, c'est compliqué. Le jour où tu commences le jeûne, à midi, tu as faim comme si tu n'as pas mangé depuis deux semaines. Est-ce que je parle toujours à quelqu'un ici? Hello? C'est parce qu'il y a un problème. La base, les fondements. Alléluia. Praise God. C'est pourquoi je dis aux gens, quand les gens arrivent à l'église, dans vos cellules, les milieux de la milice, immédiatement, demandez-leur de faire l'école de fondation. N'attendez pas qu'ils se refroidissent et qu'ils prennent les vieilles habitudes des personnes qui sont déjà froides. Praise God. On bat le fer quand il est chaud. Praise God. Alléluia. Donc Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Pourquoi? Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Donc maintenant, pour entrer dans l'amitié de Dieu, il te faut connaître tous les secrets. Or, le seul moyen pour toi de connaître les secrets, c'est d'aller dans la méditation. Alléluia. Praise God. Au lieu de rester dire que le pasteur est puissant, demande-toi comment il fait pour que les gens soient guéris. Comment il fait pour ouvrir les yeux des aveugles? Va chercher le secret. Alors va dans le lieu de la méditation. Ce qu'il te demande de faire, fais ça à la maison.
Au lieu de rester dire mon prophète voit, demande-toi, il fait comment pour voir. C'est le secret là qu'il te faut connaître afin que tu cesses de faire les commandements. Tu sais, dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui posent les actes, il y en a qui font les commentaires. Choisis toi-même ta catégorie. Hello? Choisis ta catégorie. Tu veux être dans la catégorie de ceux qui posent les actes ou de ceux qui font les commentaires. Praise God. Tu es footballeur, mais c'est toi qui t'assieds et tu commences à faire les commentaires sur Etofis et Drogba. Alors que toi-même, tu es footballeur professionnel. Mais tu t'assois et tu fais les commentaires sur d'autres footballeurs professionnels. La question c'est, pourquoi tu ne brilles pas à leur dimension? Tu es un chrétien, on est de nouveau parlant en langue. Au lieu de grandir spirituellement, tu es là pour faire les commentaires sur les hommes de Dieu et sur les églises. C'est exactement ça. Si tu es sur ça de footballeur, qui s'assoit, il parle de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, de Etofis, de DJ Drogba, de Zinedine Zidane. La question c'est de Ronaldinho. La question c'est pourquoi tu ne joues pas à leur dimension. Tu es chrétien, pourquoi tu ne... Pourquoi tu ne pries pas à la dimension de ce dont on parle? Pourquoi tu es parmi ceux qui font les commentaires? Grandis. La parole de Dieu a mon caractère. Regarde, la parole de Dieu n'échoue pas. Elle ne tombe pas malade. Elle n'est pas victime de la sorcellerie. Ça veut dire que si elle devient ton caractère, tu deviens ce qu'elle est. Tu deviens Akaboratiya. Est-ce que je parle à... Tu deviens ce qu'elle est. Regarde, Hébreu 4, verset 12, la Bible dit ceci. Hébreu 4, 12. Mageno Subrahadiya. Lego Brandaze Kebrandea. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchant qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrant jusqu'à partager à mes esprits. Je ne tue moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc si elle devient ton caractère, tu deviens ce qu'elle est. Elle devient ce que tu es. Vous devenez une même personne. Alors Jésus pouvait dire ceci. Le Père et moi, nous sommes un. Il dit c'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Or, le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui a couvert Marie et qui a donné naissance. Jésus lui-même est la parole faite chair. Donc, Jésus parle de quoi? Il dit le Saint-Esprit et la parole, c'est la même personne. Donc, si tu es plein de la parole, plein de l'Esprit, tu as les œuvres de l'Esprit et les œuvres de la parole. En ce moment, non, c'est quoi ton problème? Ton problème, c'est que tu es vide de la parole. Et tu vas voir que de tous les problèmes que tu as toujours la paresse d'aller lire. Quiconque est sincère ici, c'est que ce que je dis est vrai. De tout ce que tu as comme problème, si on te demande que tu as lu au cours aujourd'hui, si tu es sincère, tu vas me dire, je ne sais même pas où ma Bible est. Et c'est quand je venais ici là que j'ai pris ça. Indica. Tu capes seulement la tête que le Père est là. C'est comme si tu me connais. Bon, maintenant, regarde. Mais tu te plains. J'ai une question pour toi. Tes plaintes vont finir comment? Parce que au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Ça veut dire que la solution que tu attends doit être faite, doit venir de la parole. La santé que tu attends doit venir de la parole. Les portes qui doivent s'ouvrir par la parole. Voici ce qui doit ouvrir les portes. Tu as refusé de mettre ça en toi. Bon, ça va s'ouvrir quand? Non, je ne suis pas étonné que demain, tu te plaignes aujourd'hui. Demain mardi, tu vas te plaindre. Lundi, tu vas te plaindre. Dimanche, demain mercredi, tu vas te plaindre. Demain lundi, tu vas te plaindre. Demain dimanche, tu vas te plaindre tous les jours. You complain every day. Jusqu'à ce que tu dises. Prophète Miko a assez parlé. À partir de cette nuit, Koreti Yakabahadia. À partir de cette nuit, j'ai compris que toutes choses ont été faites par la parole. Je prends la parole au sérieux. Je vais la mettre dans mon cœur et je vais la déclarer par ma bouche. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à quoi? À la justice. Et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Parce que ce que je dis, croyant dans mon cœur, ça va arriver. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, donc autrement dit, quand vous parlez, parce que la prière, on prie en parlant. Mais quand vous priez, croyez.
croyez que ce que vous avez demandé, vous l'avez reçu. Ça veut dire quoi? Le cœur doit être un avec la bouche. Or, tu vas voir que parfois quand tu pries, ton cœur te juge. Parfois quand tu pries, ton cœur dit ne perds pas le temps. Avec ce que tu fais là, rien ne peut se passer. Donc ton cœur, aussi longtemps que ton cœur est en contradiction avec tes paroles, rien ne peut se passer. Maintenant, quand tu es hypocrite, tu vas venir devant les gens. Oh Dieu, toi-même tu sais que ton cœur n'est pas en harmonie avec ta bouche. Mais pour voiler les yeux des gens, tu vas parler. Alors le ciel t'appelle hypocrite. C'est un même paralytique ici maintenant. On dit prie. Tes pensées, ton cœur va commencer à dire toi. La blague, toi-même tu vas commencer à rire. Mais tu vas quand même parler que au nom de Jésus. Ta bouche va quand même parler. Ta bouche va parler. Mais ton cœur va douter. Tu sais ce que tu es en train de faire? Je peux te prêcher. Tu es en train de pécher. Romains 14, verset 23. Ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Beaucoup pêchent en priant. Jeune fille, quand tu ne crois pas à ta prière et tu pries, tu es en train de pécher. Parce que ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Romains 14, verset 23. Mets-moi sur l'écran. Je t'amène à l'université de l'esprit. Ton amène est froid ici. Le temps n'est plus de je cherche un homme de Dieu. Le temps est toi. Tu dois grandir et te manifester. Je pensais parler à quelqu'un. C'est le jour où tu arrives comme ça dans ta boutique, aujourd'hui amène-moi 50 clients. Ah, car je ne parle pas à la bonne personne ici. Il y a un leader qui va aller dans la rue avec ses membres. Ils vont dire maintenant nous moissonnons la Russie aujourd'hui. Nous parlons à 50 personnes et au moins 45 personnes vont venir. Vous avez déjà tellement prié, chargé l'atmosphère. Vous avez soumis l'homme fort de la ville. Parce que la Bible dit, si un homme fort garde une ville, il faut un homme plus fort pour le soumettre, pour l'assujettir, afin de piller. Ça veut dire que quand vous arrivez quelque part, il y a ce qu'on appelle l'homme fort. Il opère par la puissance du prince de l'air. Il contrôle les gens. Vous arrivez dans un quartier, tout le monde est réfractaire et tout à l'évangile. Tout le monde est hostile à l'évangile. Tout le monde se braque. On vous dit si on ne veut pas l'évangile. Les gens sont dans les bars. Les jeunes gens sont dans le sable. C'est en concubinage. On ne veut pas l'évangile. Et vous dites que vous allez évangéliser. Et vous dites qu'ils n'aiment pas Dieu. C'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu. C'est que vous n'avez pas pris autorité dans l'esprit. Il dit voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Bro, avant que l'église ne s'installe dans ce quartier, ce qui a été fait dans l'esprit, c'est ça que nous savourons physiquement. Je prophétise dans ta vie. La parole que tu mets dans ton cœur va sortir par ta bouche. Tes résultats vont changer. Ne cède plus à la tentation. Tu n'as pas dit amen. Akabaya, tes résultats changent. Tu entres dans l'intimité de Dieu par la méditation de la parole. Je te vois devenir ami de la parole, ami de Jésus-Christ. Dès que tu dis amen, c'est établi. Mets-moi le verset que j'ai demandé à l'écran. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Voyez? Donc ce que tu fais sans conviction, c'est le péché. Si tu pries, il n'y a pas la conviction, tu es en train de pécher. Vous comprenez? Prier sans conviction, c'est péché. Je parle à quelqu'un ici. Alléluia. Praise God. Quelqu'un dit la parole de Dieu est mon caractère. Ça veut dire quoi? Lorsque vous priez, rassurez-vous que vous êtes devenu la parole. Ok? Mais si vous n'êtes pas devenu la parole et vous priez, il n'y aura rien. Iram, tu comprends ça? Rassurez-vous de devenir la parole. Parce que Dieu n'écoute pas le pécheur. Jean chapitre 9, verset 31. Jean 9, 31. Jean 9, 31. Tu peux réciter les versets bibliques. Si ce n'est pas devenu ton caractère, tu ne seras pas exaucé. Toute l'église lit 1, 2, 3. Voilà ça l'écran. Fort! Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Encore fort! Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Non, j'ai dit fort!
Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jusqu'à ce qu'on change de pensée, jusqu'à ce qu'on mette en toi une nouvelle connaissance. Et c'est ce que j'essaie de faire depuis des années. Jusqu'à ce qu'on te donne de nouvelles connaissances, de nouvelles pensées. Ton histoire là ne peut pas changer. Si ça change, ça ne peut pas durer une semaine ou un mois. Ça ne peut pas durer. Jusqu'à ce que tu prennes de nouvelles habitudes. Les nouvelles habitudes te donnent de façon automatique les nouveaux résultats, un nouveau comportement. Automatiquement. Je dis bien automatiquement. Regarde. Par exemple, si tu entres dans l'ascenseur et tu sais manipuler ça, et tu mets le niveau où tu vas, le niveau auquel tu l'ascenseur doit te déposer, c'est de façon automatique que ça va te déposer là-bas sans que tu ne pries. Amen. Dis Amen. Regarde, les nouvelles habitudes te donnent automatiquement de nouveaux résultats. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui. Automatiquement, c'est de façon automatique. Donc viens apprendre à l'église. C'est pourquoi fais attention aux enseignements qu'on te donne. Prends-le très au sérieux. Prends très au sérieux les enseignements qu'on te donne. Prends très au sérieux la connaissance qu'on te donne. Prends très au sérieux la parole qu'on te donne. Prends très au sérieux. C'est ta vie comme ça. Ne pense pas que en jonglant, ta vie va changer. Et je t'ai dit tout à l'heure, le tout n'est pas d'avoir quelque chose. La source de la chose est importante. Le tout n'est pas d'avoir l'argent ou l'emploi. Si tu as couché avec un homme pour avoir un téléphone, c'est bien, tu as le téléphone comme l'autre aussi a le téléphone. Mais la source n'est pas la même chose. Tu comprends maintenant? La source n'est pas la même chose. Amen. Et tu vas voir que, sincèrement, à l'intérieur de toi, tu n'auras pas la paix. Parce que toi-même, tu sais ce que tu fais pour avoir les choses que tu as. Et avec le temps, la Bible dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Avec le temps, tu vas voir ce qui va t'arriver. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. C'est pourquoi, faites attention à la source des choses que vous avez. Faites attention à la source. Faites très attention à la source. Tu as X et Y choses, c'est bien. Ta maison est payée, c'est bien. Tu es habillé, c'est bien. La question, c'est la source, c'est quoi? Fais attention à la source. Parce que chaque source réclame des choses. Et le temps où la source va commencer à réclamer ta vie, c'est là où tu sauras que la source n'était pas bonne. Parce que quand la source commence à réclamer ta vie, tu dois expliquer tout ce que tu as et justifier tout ce que tu as. Ta mort peut sortir de là. Et quand Dieu est ta source, c'est pourquoi Dieu s'appelle Père. Père, le mot Père vient du grec Abba qui signifie source. Donc quand Dieu est ta source, parce que Jésus dit quelque chose. Il dit, le prince de ce monde arrive, il n'y a rien de lui en moi. Ça veut dire quoi? Quand Satan réclame ta santé, quand Satan réclame ton emploi, quand Satan réclame ton foyer, quand Satan réclame tes enfants, quand Satan réclame tes finances, c'est toujours ici. Tu es ici ou tu es rentré? Quand Satan réclame tes finances, quand il réclame tes entreprises, la Bible dit ceci. Le diable rôde rugissant comme un lion, cherchant qui dévorer. Il cherche qui dévorer. Tout le monde n'est pas dévorable. Il cherche qui dévorer. Parce qu'il y a des gens qui sont dévorables. Parce qu'il y a des gens qui ont des choses qui appartiennent au diable. Quand le diable va passer le scanner diabolique et satanique sur ta vie, il va dire, mais ça, ça m'appartient. Je suis la source de ça. Je suis la source de ça. Je suis la source de ça. Et la personne sera à l'église. Bip! Tu entends, la personne est morte. Parce que ces éléments sont en toi.
Jésus a dit clairement, il dit le prince de ce monde arrive, il n'y a rien de lui en moi, rien. Vous savez quoi? Je vous dis la différence entre Judas et Pierre. Parce que les gens disent que non, Satan les a tous réclamés. Non, il n'y avait rien de Satan en Pierre, rien. Mais il y avait tout de Satan en Judas. La Bible dit et Satan entra en Judas. Les murmures que tu as là viennent du diable. La rébellion que tu as là vient de Satan. C'est lui qui s'est rebellé au ciel. L'insoumission, l'insubordination, la vie d'iniquité, de péché, la mendicité et tout le reste, ça vient de Satan. Si volontairement tu ne te dis pas je dois me remplir de la parole pour commencer à confesser la parole, ce qui va se passer c'est que tes propres pensées vont prendre l'ascendance sur toi. Et tes pensées sont les pensées du diable. Comment je sais? Jésus a dit ceci dans Matthieu chapitre 16. Il dit arrière de moi Satan, car tes pensées sont celles des hommes, pas de Dieu. Praise God. Quand Satan te réclame, il ne doit rien trouver de ces éléments en toi, rien. Quand il va trouver ces choses en toi, you are God. Quand on a trouvé, regarde, lorsque Ananias, lorsque Pierre, lorsque Satan a trouvé ces éléments en Ananias et Saphira, les deux sont morts le même jour. Les deux sont morts le même jour. Est-ce que tu comprends ça? Quand on a, est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ça? Quand on a trouvé, quand Satan a trouvé ces éléments, Ananias et Saphira, les deux sont morts. Est-ce que tu comprends la chose? Praise God. Les deux sont morts le même jour. The same day. Il y avait quoi? Du diable en eux, le mensonge. Le mensonge. Acte chapitre 5. Pierre leur a demandé à Ananias, pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Or, dans Jean 8, le diable est menteur et il est le père du mensonge. Il est meurtrier, il est menteur et il est le père du mensonge. Tu es toujours ici. Quelqu'un dit la parole de Dieu est mon caractère. Ça veut dire quoi? Ne cherche pas à prier seulement. Cherche à avoir pour habitude la parole. Cherche à avoir pour habitude quoi? La parole, the word. Put the word in you. Mets la parole en toi. Put the word in you. Mets la parole en toi. Put the word in you. Mets la parole en toi. Put the word in you. Mets la parole en toi. Mentir pour avoir de l'argent, ça c'est le diable, ça c'est la ruse. C'est le diable, c'est quoi? La ruse. Mentir pour avoir de l'argent, c'est le diable. Aller avec un homme pour avoir de l'argent, c'est le diable. T'endetter pour faire réaliser telle chose, c'est toujours Satan. C'est clairement dit que tu ne dois pas vivre d'après les dettes. Parce que Dieu dit, t'a promis qu'il bénira le fruit de tes mains. Il a déjà dit qu'il bénira le fruit de tes mains. C'est refuser de croire la parole de Dieu qui t'amène à t'endetter. C'est vouloir vivre au-dessus de tes moyens qui t'amène à t'endetter. Praise God. Parce que tes moyens peuvent résoudre un problème de 1000 francs. Mais tu veux vivre avec à la dimension de 10 000, de 25 000. C'est pourquoi tu t'endettes. Tu ne veux pas courir au rythme du Saint-Esprit. Quand commençait l'église ici, notre dimension, nos moyens à ce moment nous permettaient de faire culte sous la pluie. C'était nos moyens, on devait faire ça comme ça. Personne ne veut dire amen. Maintenant, tes moyens te permettent de dormir dans une chambre de 5 000. Toi, tu veux un studio de 50 000. I cut you coffee. Je te salue mon colonel. Non, tu ne peux pas être général, tu es seulement colonel. Je te salue même mon lieutenant. Mon lieutenant, je te salue. Praise God. Il faut dormir là où tes moyens te permettent de dormir. Apprends la sagesse. Là, le Seigneur t'apprend l'humilité. Il dit qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est une souffrance entre guillemets qui vient du Seigneur, mais il t'apprend quelque chose. Il t'apprend à être simple, à être modeste, à être humble, à être simple. Tu ne veux pas que les gens regardent. Tu habites où? J'habite ici. Il y a ma loge ici. Tu ne veux pas dire ça. Tu veux monter l'immeuble là où ça coûte 250 000. Et quand tu confies mon lieutenant, praise God. Alléluia. Tu veux prouver quoi à qui? Les gens à qui tu cherches à prouver quelque chose ne sont rien, même dans la société même.
Tu veux que ta soeur, ta cousine voit aussi que tu as un gros téléphone. Ta cousine représente quoi dans le pays ici? Les gens à qui tu cherches à prouver quelque chose représentent quoi même dans leur famille? Rien! Satan a seulement piégé ton âme. Tant Satan va te donner toutes ces choses, il va te réclamer bientôt. You die. Et if you die in that state, you are in hell. Dans cet état, tu es en enfer. You are in hell. Straight to hell. Directement en enfer. Satan t'a piégé sur terre. Tu n'as rien à prouver à personne. Tu dois tout simplement accomplir ta destinée. Ton amen ne me plaît pas. Praise God. Alléluia. Hello. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. J'ai le caractère de Dieu. J'ai le caractère de la parole. Il dit que si, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Ça veut dire que Dieu ne te demande pas de prier. Dieu demande que tu médites et tu deviens un avec la parole. Pas dans la méditation seulement, dans le comportement aussi. Dans le comportement. Lorsque tu deviens la parole humanisée, la parole agissante. Allez, quand on te voit venir, mais c'est la parole qui arrive. Les gens te provoquent et tu dis la réponse douce, calme et la fureur. Je réponds avec douceur. Est-ce que tu comprends quelque chose? Tu es face à l'autorité aux aînés. Tu sais, on te provoque d'un point comme ça, mais tu sais que ça, c'est l'autorité. Et la Bible dit soumettez-vous à vos autorités. Donc, je ne dois jamais me mettre en colère devant l'autorité. Parce que, quelle que soit ma raison, j'aurai tort. La parole me donnera tort. Parce que la Bible dit soumettez-vous aux autorités. Est-ce que tu comprends quelque chose ici? Il faut que tu gardes seulement la posture de la parole. C'est tout ce qu'il te faut. En ce moment, quand tu es devenu la parole, quand tu dis au nom de Jésus, avant de finir, c'est là où la Bible dit dans Ésaïe, avant qu'il ne m'appelle, je répondrai. Avant qu'il ne cesse de parler, j'exaucerai. Parce qu'en réalité, ce n'est plus toi qui parles. C'est juste la parole qui parle. À travers Papa Moha. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? La parole de Dieu qui parle à travers la sœur Viviane. La parole. Mais est-ce que vous comprenez quelque chose? C'est la parole, ce n'est plus toi. C'est juste qu'on ne peut pas nous appeler parole, 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 parole. Mais on doit nous identifier par nos prénoms ou par nos noms. Mais ce n'est plus toi. It's the word. Ce n'est plus toi. C'est la parole. Praise God. Tu dis un ventre stérile produit les bébés. Ça ne te coûte pas. Ça écoute la parole. Je ne parle pas à quelqu'un qui est sérieux. Devenez la parole, enfant de Dieu. Nous sommes les enfants de la parole. Pour devenir la parole. À ceux qui ont cru et qui ont reçu la parole, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de l'art. Dieu là, c'est la parole. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or, le verset 1 te dit que la parole, Dieu c'est là. Donc, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de la parole. Become the word, that's all. Deviens la parole. Deviens la parole. Rien ne va. On ne peut pas envelopper la parole. On ne peut pas assujettir la parole. On ne peut pas ensorceler la parole. On ne peut pas envoûter la parole. On ne peut pas rendre la parole aux malades. On ne peut pas oppresser la parole. On ne peut pas empoisonner la parole. Tu deviens tout ce que la parole est. Te donne le poison, on te regarde, tu vis toujours. On fait les bewitch avec ton nom, ça ne marche pas. On te calomnie à gauche, à droite, ta cul, ça ne marche pas. Là, you become the word. You become the word. You become the word. Tu te places comme ça, tu dis au nom de Jésus Christ, je parle. Demain, j'ai un emploi. Au moins 10 numéros t'appellent. Tu ne célèbres pas parce que c'est en nature. It's your nature. Hein? Hein? C'est quoi? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui célèbrent parce qu'ils sont partis au Canada, aux États-Unis? Je ne peux pas célébrer, ce sont des bêtises. Le Canada, c'est ma cuisine. Les États-Unis, ma chambre. Je t'informe. Partout m'appartient. Pourquoi? Parce que je suis un gagneur d'âme. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de là. Ce verset me donne les visas et accès à toutes les nations. Tu comprends? C'est pourquoi lorsque je voyageais l'autre jour, je n'ai pas annoncé à l'église que... Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une célébration, ce n'est pas un exploit. Que oh, ma fille est partie au Canada, jusqu'à tu célèbres. Ton fils est parti en Allemagne. C'est un exploit comme ça.
Et ceux qui partent maintenant à Sion au ciel, c'est quoi? Mais il faut me répondre. Parce que ta fille là va partir au Canada et se prostituer, elle va rater Sion à l'enlèvement. Ah, God. Écoute, nous sommes à Sion. Nous sommes les enfants de la parole. Nous sommes les enfants de la parole. Je suis enfant de la parole. Je suis de Sion. Ma joie, c'est d'opérer à partir de Sion. Ton amen n'est pas solide. Est-ce que tu comprends même ces choses-là? Il faut que tu comprennes. Ce n'est pas un exploit. Tu es parti aux États-Unis, c'est un exploit. Tu es parti au Ghana, c'est un exploit. Tu es parti en Belgique, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Nigeria, c'est un exploit. Burkina Faso, tu es parti en Italie, c'est un exploit comme ça. Alors qu'en Italie, là-bas, tu es comme un petit rat. Avec le racisme et tout, tu n'as même pas les papiers. C'est seulement sur Facebook que tu charmes. Là-bas, tiens, coin, coin. Praise God. Alors qu'il y a les gens qui voyagent comme des princes. Tu comprends pas quoi? Praise God. Yeah. Hello. Et quand ils rentrent, les poches sont chargées. Malekoto Brahadia. Je prophétise, la même grâce vient sur toi. Ton amen ne me plaît pas. J'ai dit, ton amen ne me plaît pas. Ton amen ne me plaît pas. Tu ne voyageras jamais comme une fourmi. Tu voyageras pour gagner les âmes. Les grandes portes seront ouvertes. Il dit, bon, soulevez vos linteaux. Que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? Jésus-Christ de Nazareth. Où est-ce qu'il habite? Il habite en moi. Il habite en toi. Je prophétise. Le roi de gloire qui habite en toi va aller d'une nation après une autre pour témoigner de sa puissance, témoigner de son amour, témoigner de sa gloire. Le premier qui se lève et dit amen, c'est à lui que je parle. J'ai le caractère de la parole. J'ai le caractère de la parole. J'ai le caractère de la parole. C'est pourquoi quand deux chrétiens sont en conflit, la seule personne qui remporte, ce n'est pas la personne qui a raison ou tort, c'est la personne qui a la parole. Et donc tu peux avoir raison, tu finis par avoir tort à cause de ton comportement stupide. Parce que regarde, et tu sais, Dieu c'est sa parole, ok? Quand Dieu voit la parole en toi, il ne peut pas te détruire. Il n'est pas dit qu'il ne veut pas, il est incapable. Dieu ne tue pas Dieu. Il doit négocier avec toi maintenant. C'est pourquoi il a dit à Ézéchias, c'est le temps de venir. Ézéchias dit que non, niet, je vais encore vivre. Dieu dit, je... Les gens ne se comprennent pas. Maintenant, Paul vient nous dire que Jésus-Christ a mis fin à la mort. Il parle l'évangile. Il a apporté l'immortalité. Est-ce que tu comprends ça? Hello? Tu es immortel. Tous les peureux ne peuvent pas dire amen. L'immortalité a été mise, même moi ça à l'écran, c'est dans Timothée. L'immortalité a été mise en exergue par l'évangile. Attends. Tu penses que la maladie qui est venue dans ton corps l'autre jour, ça venait faire quoi? Ça venait te tuer. Comment on a stoppé ça? En chassant ça de ton corps. Qu'est-ce qu'on a manifesté? L'immortalité. Le surnaturel divin. La parole de Dieu. Ils ne sont pas ici. Regarde. Écoute que je te dise quelque chose. Regarde. C'est parce que on a grandi avec la conscience de la mort. Les gens ont peur de la mort. Ça fait que quand tu prêches l'évangile, il faut beaucoup de temps pour que ta conscience accepte maintenant que la parole en toi, c'est la vie éternelle. Or, la vie éternelle est une vie indestructible. Donc, l'immortalité est en toi. Tu vas mourir le jour où tu acceptes que je meurs. Donc, si tu commences à voir que je vais mourir, you will die. Même si on prie, tu vas mourir. Je ne meurs pas. Je vivrai. Regarde, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul n'homme. Non, 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 ce n'est pas la version là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le chapitre. Je connais le chapitre, mais je continue à chercher. Cherche. Je vous ai dit depuis hier que vous devez garder la parole. Alléluia. Il a mis en exergue l'immortalité par l'évangile. Hello. Praise God. Je suis immortel. Je suis indestructible. Je suis indestructible. Je suis participant de la nature divine.
Je participe à la divinité. Je suis participant à la nature divine. Participant de la nature divine. Est-ce que tu comprends quelque chose? Il n'y a pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit sans moi. Parce que je suis en Christ. Je suis en Christ. Christ. Regarde. Et qui a manifesté? Voilà, ça, c'est ça maintenant. Et qui a manifesté, qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ? Qui a détruit quoi? Qui a détruit quoi? Et a mis en évidence la vie. Et quoi? Par quoi? Quand on prêche l'évangile, on n'a pas l'immortalité. Je ne parle pas à la bonne personne. Quand on prêche l'évangile, c'est pourquoi il dit quoi? Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne c'est quoi périr? Il ne meurt point. C'est pourquoi dans Jean chapitre 11, il a dit à Marie et à Marthe, il dit que celui qui croit en moi, regarde, même s'il meurt, il vivra. Et s'il croit en moi, il ne mourra point. Jamais. Tu n'es pas toujours ici. Je suis immortel. La parole de Dieu vit en moi. Je serai enlevé à l'enlèvement. Aucun poison ne peut me tuer. Attends, si tu étais mortel, pourquoi Jésus dit que ceux-là qui croient en moi, s'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera aucun. Donc maintenant regarde, pour que ça devienne réel, il faut que tu acceptes cette parole, que tu demeures dans cette parole, journalièrement, quotidiennement, régulièrement, continuellement, permanemment, que tu demeures dans cette parole. C'est pourquoi il dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Praise God. Voilà ça les grands. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, bro, you can't kill me, you can't. Je ne peux pas mourir. Pas d'accident. Je ne ferai jamais d'accident. Et si l'accident doit se produire, je dois disparaître de là. Je sors d'abord. Ah, tu n'as pas dit amen. Je suis mortel. C'est pourquoi il te faut pas être distrait. Il te faut être à l'écoute des anges, à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit peut te dire maintenant, le bâtiment là va s'écrouler. Sors, sors. Mais ta distraction t'amène à mourir dedans. Pourquoi? Tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Mais ce n'est pas que Dieu n'a pas parlé. C'est ta distraction qui t'a disqualifié. L'Esprit de Dieu parle toujours. Il parle toujours. Il parle. Je peux te dire quelque chose, tu n'écoutes pas. Mais tu vas revenir à la raison plus tard. Parfois avec des conséquences néfastes. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu parle toujours. Est-ce que tu sais que parfois certaines personnes ont pensé que je leur donnais des conseils? Alors que Dieu, c'est un peu comme je prophétise. Quand je prophétise, ce n'est pas un conseil. Je suis en train de révéler ce qui est sur le point d'arriver, ce qui va se passer, ce qui se passe actuellement, ce qui va se passer demain. Est-ce que tu comprends bien quelque chose? Donc quand je prophétise, ce n'est pas un conseil, bro. C'est une instruction divine. Alors il y a des gens avec qui je parle parfois, ils pensent que je leur donne des conseils, mais je ne leur donne pas des conseils. Je suis en train de leur donner la pensée parfaite de Dieu. Ils n'obéissent pas. C'est plus tard que tu sauras que c'est Dieu qui parlait. Praise God. Glory to God. J'ai le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu n'est rien d'autre que dans la. N'est nulle part ailleurs que dans sa parole. La Bible dit que le diable, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Il rôde. Hein? He's going about. Say it. He's going about. Roaring. Roaring. Like a lion. It's roaring like a lion. Yeah. Praise God. Cherchant qui dévorer. Looking for the one who will devour. Looking for who to devour. Praise God. Alléluia. Faut lire la Bible. Vous allez voir les versions. C'est écrit simplement dans la Bible. Praise the Lord. Roaring. Praise God. Going about like a roaring lion. Marchant, rugissant, hein, comme un lion. Cherchant qui? Dévoré. Praise God. But we are, regarde, nous ne sommes pas tous dévorables. We are not devourable. Nous ne sommes pas tous dévorables. We are not all devourable.
Some people are not devourable. Certains ne sont pas dévorables. The lion cannot devour me. Le lion ne peut pas me dévorer. Because as he's coming, parce que comme il myself, I roar like a lion. Moi-même, je rugis comme un lion. Like a dangerous lion. Comme un lion dangereux. Kudupa katika pakadia. Pretuku ziki de gelia. Écoute, est le caractère de la parole. Prier en langue, c'est le caractère de la parole. Aimer son prochain, c'est le caractère de la parole. Pardonner, c'est le caractère de la parole. Marcher dans la sainteté, la sanctification, c'est le caractère de la parole. Avoir une vie de jeûne et de prier, c'est le caractère de la parole. Tant que tu n'es pas en train d'avoir ce caractère, tu pries pour rien. C'est ça qui fait croire aux gens que Dieu est lent. Dieu n'est pas lent, c'est que c'est le caractère de Dieu, la parole qui te dépasse à porter. Pendant que tu portes le caractère de la parole, attends-toi au changement de ta vie. Peu importe combien de temps ça va prendre. Quand on sème des graines quelque part, tu vois, l'agriculteur passe le temps à arroser si la pluie ne tombe pas. Tu peux penser qu'il perd le temps, il ne perd pas le temps. La chose va pourrir jusqu'à germer. Ah, quelqu'un me dit amen ici. Et ça va faire ressortir des tiges. Quelqu'un me dit amen ici. Yeah. Prends le temps de méditer. Agis. Même si les gens ne voient pas encore le fruit, c'est-à-dire que même si on ne voit pas prospérer, chasser les démons, mais aussi longtemps que tu marches dans la parole, amour, douceur, parole douce, calme la fureur, tu sais comment répondre aux gens, tu es amour, tu es toujours joyeux, parce que la vie est toujours joyeux, parce que cette joie vient du Saint-Esprit. Le royaume de ce n'est pas le manger, le boire, mais la joie, la paix, la justice par le Saint-Esprit. Tu ne penses pas que non, comment l'entendre tout français, non, tu es humble. Tu résistes aux orgueilleux, mais fais grâce aux humbles. Tu es toujours humble. La parole déborde en toi, inonde ton cœur, de l'abondance du cœur, la bouche parle. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dans la parole de Dieu, inonde ton cœur, inonde ta bouche. Que dit la parole? Elle est proche de toi, dans ton cœur, dans ta bouche. Romains 10, verset 8. La parole abonde, la parole déborde, elle abonde, elle inonde ton cœur et ta bouche. Bro, avant de te rendre compte, 2, 3 mois, 6 mois ne finiront pas. Tout le monde va remarquer le changement. Si tu fais comme ça 1 an, 2 ans, les 2 ans ne vont pas finir. Ton quartier va remarquer quelque chose. Si tu dures comme ça 3 ans, les 3 ans ne vont pas finir. Ton nom sera connu un peu partout dans le pays. Si tu fais comme ça 4 à 5 ans, les 4-5 ans ne finiront pas. Ton nom sera hors du pays. Je te parle des expériences en dehors de la mienne, en plus de la mienne, de plusieurs expériences des personnes que j'ai observées. Tu commences à marcher dans la parole. Je dis que avant de. Ce n'est pas toi qui vas forcer, tu ne vas pas inventer les choses. Les gens m'ont remarqué. C'est 6 mois dans la parole. Les gens de l'assemblée et les membres de ta famille vont commencer à remarquer quelque chose. 1 an, ton quartier et les endroits que tu fréquentes, ces gens vont commencer à remarquer quelque chose se passe avec toi. 1 an et demi, 2 ans, la ville va te connaître, le pays va te connaître. Tu es loin d'imaginer là où on nous connaît. À beaucoup d'endroits. J'ai dit beaucoup d'endroits. J'ai dit beaucoup d'endroits. J'étais surpris l'autre jour qu'à l'aéroport, un jeune homme qui était avec papa Eko et maman Queen. Un jeune homme me dit, je connais le visa. Dès qu'il a pris le passeport, il dit, c'est le prophète Bikoy. Il a demandé qu'on fasse passer les bagages, n'est-ce pas? Sans aligner ça. Je ne le connais pas. I don't know him. Je le connais pas. Praise God. Regarde. Pourquoi? Wow. Parce que la parole de Dieu ne peut pas rester cachée. Vous êtes la lumière du monde. Une ville sur une montagne ne peut pas rester cachée. C'est quand il n'y a rien en toi que c'est toi-même qui force pour deux gens. Vous savez que Jésus, c'est un enfant de Dieu. Tu n'as pas besoin de dire aux gens. Tu n'as pas besoin de dire aux gens. Quand le soleil sort à l'horizon, la pam. Ça n'annonce pas, ça ne fait pas de bruit. Il n'y a aucun chargé de la communication du soleil qui dit, mesdames et messieurs, faites attention. C'est l'apparition du soleil, mais personne n'annonce. Chacun se conseille. Quiconque a le Congo, le bon con, pour moi, il met le chapeau. Ce qui va se passer avec ta tête ne sera pas bien. Yeah. Le soleil n'annonce pas son arrivée. C'est-à-dire que vous savez qui je suis. Je suis un chrétien. On ne me fait pas ça. Shut up. Tu fais le sissia seulement. Dis à ton frère, laisse le sissia. Sois vrai. Praise God.
Dans la famille ici, on va savoir que je suis enfant de Dieu. Qui doit savoir? Est-ce que Jésus a besoin d'annoncer qu'il est enfant de Dieu? Tu arrives seulement, ta lumière commence à briller. Tu ne dis pas amen ici. Praise God. Hello. Je suis entré dans une concession à Denver. Abaye Tolia. Megorabasiata. À Denver, l'année passée. Maleno Sulabra. C'est pas une bonne expérience à te raconter. J'avais dit aux gens que vous qui m'appelez là, si je viens, ça va pas être bien. La manière que le patron de la maison a commencé à s'agiter, c'était très compliqué. Il leur a dit que je dois partir. I have to go. Le Seigneur m'a demandé de partir. Pour qu'il se calme, il faut qu'il parte. Et il a beaucoup d'argent, beaucoup sauvagement. Avec les entreprises partout, il est actionnaire de beaucoup d'entreprises. Alléluia. Praise God. Tu vois, la source est importante. La source est importante. Le tout n'est pas d'avoir l'argent. La source est importante. Dans son parking, il y avait au moins 6 ou 7 grosses voitures. Très grosses. La source est importante. La source. Quand tu arrives quelque part et tu as de la lumière, quelqu'un est déjà allé aussi au village. Il y a un feu du soir là qu'on allume souvent. Quand tu sors de la ville et tu te rapproches, dès que tu viens, tu n'as jamais vécu ça. Et tu arrives, vous êtes au champ le soir. Maintenant, vous arrivez à la maison, à la cuisine là. Il y a un feu là. Et vous approchez, bro. Ça te fait. C'est l'ombre des choses à venir en enfer. Tu es ici même. Hello. J'ai le caractère de la parole. J'ai le caractère de la parole. Et quand tu as le caractère de la parole maintenant, quand tu parles, ce n'est plus toi qui parles. C'est la parole qui parle. Dis amen. Dis amen. C'est la parole qui parle. Si je dis maintenant que demain, on construit dans l'Ouest. On construit là. Là-bas, au nouveau, notre nouveau quartier, le siège là. Bro, si je te dis, je ne peux pas dire ça parce que la parole ne me pousse pas à le dire. Mais si je te dis ça, c'est que ça va se passer. Hein? Je te dis la vérité. Souviens-toi, il y a 2 ans, il t'a dit que d'ici 1-2 ans, on aura le terrain. Hein? Les gens ne sont pas ici. C'est comme ça que j'ai dit que ainsi parle l'Éternel. L'année prochaine, 2024, nous sommes hors du pays. Je peux t'annoncer quelque chose. Nous prenons des nations cette année. Ton amen n'est pas solide. Ton amen n'est pas solide. Ton amen n'est pas toujours solide. Quand tu es chargé de la parole, il y a des moments où tu pries. Et à des fois, tu ne pries pas, tu fais des déclarations. Tu sors de la prière et puis tu fais une déclaration. Demain, je reçois 10 millions. Et toute la nature concourt à t'apporter ça. Quelqu'un te dit que vous pouvez vous il ne veut même pas 50, il veut seulement 10 000. Ah, God. Praise God. Hello. C'est que l'Esprit de Dieu te dit ça s'accomplit. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Nous ne multiplions pas des milliers. Nous sommes des milliers entre cette année et l'année prochaine. Par la grâce de Dieu, nous sommes des milliers à adorer Jésus-Christ. Jusqu'au jour de l'enlèvement, des milliers. À travers les nations, des milliers. Je vois plusieurs venir dans des bus et des cars. Je vois le siège de Holy Ghost être construit au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es dedans, tu amènes. Quand l'église grandit, ça veut dire que ta vie aussi change. Ouais. Parce que le pasteur ne donnera pas ce qu'il n'a pas lui-même. Jean-Baptiste a dit que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Praise God. Est-ce que tu sais que Dieu va t'utiliser comme multimillionnaire? Ton amen n'est pas solide ici. Il dit Dieu va t'utiliser à donner pour son œuvre. Pas en centaines de mille, en millions. Regarde, tu veux connaître ton niveau de prospérité quand tu es chrétien. Regarde la capacité à donner pour l'œuvre du Seigneur. Ça veut dire que le Seigneur est en train de t'accroître. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Ta capacité à donner augmente.
ton amen n'est pas fort. Si ton amen augmente, ta capacité aussi augmente. J'ai dit ta capacité à donner pour le Seigneur augmente. Donne un amen comme le tonnerre. J'ai dit ta capacité augmente. 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 Tiens un amen comme le tonnerre. Hello, acclame Jésus-Christ. Hello. Praise God. Alléluia. Charge-toi de la parole et le caractère de la parole. Et tu sais quoi? Depuis les temps anciens, la parole de Dieu a toujours été moquée. Quand elle sort, on ne croit pas. C'est quand l'accomplissement arrive que tout le monde est ébahi. Hein? J'ai dit aux gens qui sont ici, si, comme par exemple, tu viens d'écouter ce qui a été déclaré là, si tu prenais tout ça, tu faisais de ça, tu entrecoupais, tu prenais les enseignements un côté et les déclarations prophétiques un côté, tu réécoutais ça en permanence. Ton esprit allait tellement écouter ça et se conditionner que ça devait devenir ta réalité. Ma longueur de journée, tu écoutes quoi? Tu écoutes Mani Bella. Pas parce que c'est toi qui joues. Dans la rue là où tu marches, ça sonne dans le taxi. Vrai ou faux? Ça sonne là où tu travailles. Tu écoutes les choses. Tu écoutes les choses. Certains parmi vous, vous regardez le journal. Tu vois comment on a égorgé telle personne dans telle rue. On a égorgé. Donc ce qui est en toi, c'est la peur. Les choses que tu écoutes produisent soit la peur, soit la foi. Oh, dans 2 Timothée 1, le verset 7, la Bible dit dans la version de Luc, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Maintenant, la Bible, la traduction du Nouveau Monde dit ceci. Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de bon sens. Et de quoi? Bon sens. J-N-D. Donc J-N David dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de conseil. Trouve-moi toutes les traductions là et mets ça à l'écran. Traduction du Nouveau Monde, traduction de J.N. Darby. Praise God. Voilà, Darby, voilà ça. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de conseil. Ok? Traduction du Nouveau Monde. Lui dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de puissance, d'amour et de bon sens. Praise God. Alléluia. Donc, si tu ne comprends pas de quoi, de quelle sagesse il parle du bon sens. Et il parle du bon conseil. Mais quand tu maîtrises la Bible dans plusieurs versions, comme ça, tu comprends de mieux en mieux la Bible. Donc, Dieu m'a donné. Donc, je dois avoir le bon sens et la sagesse. Il doit savoir que si je ne baisse pas le volume, et j'allume les appareils, ça va faire bouh, ça peut griller. Le bon sens. Bon sens. Dieu ne nous a pas donné la stupidité, il a l'esprit de sagesse. Praise God. Traduction Nouveau Monde. Traduction Nouveau Monde. Monde nouveau. Traduction Monde nouveau. Tape un peu sur Google, je crois que tu peux trouver ça là-bas. Ok, bon. KJF dit la même chose, mais c'est la traduction du Monde nouveau. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de. Bon, ici, même l'esprit de peur, mais là-bas, c'est l'esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de bon sens. Ça, c'est KJF. Mais j'ai dit traduction Monde Nouveau. Il y a la traduction Monde Nouveau. TMN. Ok. Donc, il faut que tu comprennes que dès que ton caractère est le caractère des Écritures, tu deviens la personne qui réussit de façon automatique. Puisque si tu n'es plus un être humain, tu es la parole humanisée. Est-ce que tu comprends quelque chose? Tu comprends ce que j'ai dit là? Ah, papa, moi. Les gens, c'est pas comme si. Est-ce que vous comprenez même ce que je prêche? C'est trop fort. C'est trop fort. C'est trop fort.
Je dis, tu es devenu un avec la parole. Ce n'est plus toi, humain, qui parle, c'est la parole. Parce que tu as cru à la parole, tu as agi par la parole. Donc quand tu parles, ce n'est plus toi. C'est pourquoi quiconque ne reconnaît pas que tu es devenu un Dieu, il aura des problèmes. À côté de toi, il va souffrir. À côté de toi, il sera malade. À côté de toi, tu vas réussir les choses. Si vous faites l'accident, tu disparais. Ça le prend seul. Manger la même nourriture, il ne meurt pas toi. C'est à cause de ça que beaucoup, Israël et la Palestine, tous ces gens sont passés à côté du Messie. Ils n'ont pas discerné que ce n'était pas un homme. Ils lui ont dit que toi qui es homme, tu te fais Dieu. Dans le livre de Jean, il dit toi qui es homme, tu te fais Dieu. Ils ont pris des pierres pour le lapider. Ils n'ont pas su que cet homme-là, ce n'était pas l'homme. C'était la forme humaine, mais ce n'était pas l'homme. Ça, c'est la divinité ici. Quand tu deviens un avec l'Esprit de Dieu et la parole, tu n'es plus humain. C'est pourquoi lui-même dit, j'avais dit que vous êtes des dieux. Mais tous les gens qui sont destinés, tous les gens dont l'intelligence est aveuglée par Satan, quand ils te regardent, ils voient juste une femme bien, ils voient juste un homme. C'est la raison pour laquelle pendant que tu t'envoles, ils seront là où tu les as rencontrés. Parce qu'ils ne savent pas que tu n'es, bien que tu aies la forme humaine, c'est l'humilité qui te pousse à ne pas crâner et ne pas te vanter. Tu sais quand même que tu n'es pas un homme. I know I'm not a man. I know it. Je sais ça, ce que je dis. Je le crois et je le sais fermement à l'intérieur de moi. Je ne peux pas être humain et faire ce que je fais. Impossible. Amen. Impossible. C'est pourquoi ceux qui sont mes frères biologiques et mes soeurs biologiques peuvent s'entendre pas avec moi. Ils n'ont qu'à faire ce que je leur dis. Parce que quand Dieu parle, on fait. Quand Dieu parle, on dit papa. Praise God. Alléluia. Maintenant, regardez. Depuis que Dieu t'a donné sa Bible et tu es au fils d'obéir, est-ce qu'il t'a fouetté? Il te laisse. C'est ta vie qui ne change pas. Donc quand je parle, tu ne fais pas, je te laisse. C'est toi qui vas mourir de famine, de maladie, d'oppression. Est-ce que tu comprends quelque chose? Et d'envoûtement. C'est toi qui auras les problèmes. Je te parle et je te laisse. Tout simplement. Praise God. Mais tu vas voir que les choses qui te perturbent ne me perturbent pas. Jamais. Ça ne peut pas. Quand ça vient chez moi, ça meurt. Peu importe notre proximité physique. C'est que tu n'as pas encore mis dans ton cœur. Ce n'est pas un humain ici. Je prophétise dans ta vie. Au nom de Jésus Christ. Écoute. Tant je prophétise, ne prends pas moi, mais je veux prendre. Moi, je veux prendre. La vie t'envahit. La vie t'envahit. La vie t'envahit. La vie t'envahit. La vie de Dieu t'envahit. La vie de Dieu te remplit. La vie de Dieu te remplit. Le langage de Dieu te remplit. Le langage de Dieu remplit ton cœur. Tu vois les choses comme la parole voit. Tu as le langage de la parole. Tu ne seras plus malade. Tu n'échoueras plus. Tu réussiras. Tu seras la tête et non la queue. La parole n'échoue pas. Tu n'échoueras pas. La parole ne meurt pas. Je ne meurs pas. Quand je parle de moi, je parle de toi. Je n'échoue pas. Je ne meurs pas. Je suis prospère. Je suis riche. Tu n'as pas de main. Je suis enfant. Je suis fils de Dieu. 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 Je suis chargé de la parole. Je suis plein de la parole. Mon corps ne peut pas tomber malade. Parce que la parole ne tombe pas malade. La parole et moi, nous sommes un. Je suis dans la parole. La parole est en moi. Je ne peux pas tomber malade. Je suis prospère. Je suis riche. Je suis la lumière. Je brille où que j'arrive. Partout où je me présente, je brille. Je suis la parole envoyée dans ce monde. Je me suis chargé de la parole. Je me suis rempli de la parole. Partout où j'arrive avec la parole.
Quand je me déplace, la parole se déplace. Je suis chargé de la parole. Je suis la lumière. Je suis la parole. De ma tête à mes pieds, la parole m'inonde. La parole m'a rempli. Mon cœur est ouvert à la parole. Parce que Dieu a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux observent mes voies. Alors mes yeux contemplent la parole. Je refuse de contempler la pauvreté. Je refuse de contempler les limites. Je refuse de contempler la maladie. Quand la maladie veut attaquer mon corps, je dis à la maladie, mon cœur est le temple de la parole. Je crois à la santé. Je crois à la vie divine. Je crois à l'éternité. L'immortalité est à l'œuvre à moi. Je suis immortel. Le poison n'a pas d'effet dans mon corps. La mort n'a pas d'effet. La sorcellerie n'a pas d'effet. L'empoisonnement n'a pas d'effet. Je suis plein des Écritures. Je suis plein de la parole. Je vais de nation en nation. Les hommes me favorisent. Les femmes me favorisent. Des gens sont mandatés pour me favoriser. Je suis la réponse de Dieu à travers les villes, les villages et les nations, les continents. Les gens attendent la parole et j'arrive avec cette parole. Je suis la manifestation de la parole de Dieu dans la chair. Jésus-Christ n'est plus ici physiquement. Il habite en moi. Il habite mon corps. Partout où j'arrive, Jésus-Christ arrive. Partout où je me présente, Dieu se présente avec les anges. Au nom de Jésus-Christ, je brille. Je suis la lumière. Je n'échoue pas. Je suis prospère. Au nom de Jésus, tout ce que je touche, Dieu et moi, nous touchons la chose. Dieu et moi, nous touchons la chose. Elle a l'obligation de prospérer. Parce que la main de Dieu est venue sur la chose. Quand je touche, le Saint-Esprit touche. Parce qu'il habite en moi. Quand je parle, le Saint-Esprit parle. Parce qu'il habite en moi. Dieu et moi, nous sommes un. Au nom de Jésus-Christ, dis amen comme le tonnerre. Acclame le Seigneur. Enfant de Dieu, aie cette mentalité. Sois, hey my God, fais bon mariage. Regarde, joue-moi la prophétie du 31 décembre. Fais bon mariage avec la parole. La Bible déclare dans le psaume 33, verset 9, car Dieu parle et la chose arrive. Ton succès va aller de gloire en gloire. Tu n'as pas dit amen. Joue, joue, joue. Jesus. C'est le temps de sortir du Cameroun. Le 9e mois, le mois de l'enfantement, il a amené à manifestation le fruit de sa parole. Écoutez cette vidéo et notez la précision avec laquelle l'Éternel parle et agit à la chapelle Holy Ghost avec le prophète Augustin Bikoy. Je aime des gens qui ne sont pas paresseux, qui ne sont pas passifs, des gens qui sont décisifs, des gens qui sont résolus, des gens qui savent ce qu'ils veulent, pas des gens qui sont dans le doute. Dans Jean chapitre 1, il dit ceci, si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qui demande à Dieu qui donne à tous sans reproche, mais qu'est celui qui demande, demande avec foi, car Dieu n'aime pas celui qui doute. Celui qui doute, il est comme les vagues de la mer qui bougent ça et là. Il est un tel homme ne s'attend pas à recevoir quelque chose de Dieu, mais celui qui demande doit savoir. Hébreux 11:16, il dit que celui qui s'approche de Dieu doit savoir que Dieu le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je l'ai cherché en 2010, en 2011, en 2012, en 2013, en 2014, en 2015, en 2016, en 2017. Je l'ai trouvé. Holy Ghost s'est manifesté. Aujourd'hui, on va à travers les villes et les villages. Et l'année prochaine, 2024, exhibe par l'Éternel. Apprête-toi avec une équipe. C'est le temps de sortir du Cameroun. Le mal de Holy Ghost, c'est le temps d'aller à l'étranger.
je peux prophétiser. Quelqu'un est sous l'écho de ma voix. Je viens t'annoncer 2024 sera différent. 2024 sera différent. Tu ne finiras pas local. Tu ne finiras pas national. Tu ne finiras pas international. Tu finiras mondial. Tu finiras global. Dis amen comme le tonnerre. Dis amen comme le tonnerre. 2024. Tu es informé. Il dit, vous allez attendre la chambre haute. Aïe. Que la promesse d'un homme que ça de ce vent. Et que vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous serez mes témoins. Man of God, à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le temps est arrivé où les frontières s'ouvrent. Pico, il doit voyager. Avec son équipe, je dois voyager. Écoute que je te dise quelque chose. Mon ministère a éclaté avec des signes, des prodiges, des miracles. Dans cette église, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les femmes stériles conçoivent. Les preuves sont là. C'est le temps de confronter l'étranger. Bienvenue au Canada. Bienvenue aux États-Unis. Bienvenue en France. Commence à faire ton passeport. Le temps de voyager a sonné. Nous allons adorer chez gens à l'étranger. Donc ramène-les pas comme je veux. Grâce de Dieu, je suis déjà là. Nous sommes à Dakar, Sénégal, et il faut dire que le meilleur est à venir. Alléluia, je suis là. Et... Je vois les passeports, je vois le visa, je te vois là en Chine, je te vois en Allemagne, je te vois en Italie, je te vois au Sénégal, je te vois au Ghana, je te vois au Bénin. Je te vois en Côte d'Ivoire, je te vois au Nigeria, Luxembourg, tu n'as pas dit amen. Je te vois en Belgique, tu n'as pas dit amen. Je te vois au Brésil, tu n'as pas dit amen. Le premier qui dit amen, on va aller faire des croisades partout. Tu vas m'accompagner pour gagner le monde. On va gagner le monde ensemble. Si tu dis amen comme le tonnerre, si tu dis amen comme le tonnerre, si tu dis amen comme le tonnerre. Si tu dis amen comme le tonnerre, je vois les aides de destinée venir vers toi. Je vois les aides de destinée venir vers toi. Tu auras des boutiques partout. Je te vois aller en Turquie. Je te vois acheter les vêtements. Je te vois ouvrir des parfumeries. Je te vois ouvrir des restaurants. Je te vois voyager. Ton amen n'est pas sérieux. Je te vois voyager. Je te vois voyager. Je prophétise. Tu iras au Canada. Tu iras à Ottawa. Tu iras à Toronto. Tu n'as pas dit amen. Tu iras au Montréal. Tu n'as pas dit amen. Je te vois à Paris. Je te vois à Lille. Je te vois à Marseille. Je te vois à Monaco. Tu n'as pas dit amen. Je te vois en Italie. Tu n'as pas dit amen. Je te vois en Belgique. Tu n'as pas dit amen. Je te vois en Floride aux États-Unis. Tu n'as pas dit amen. Je te vois à Washington. Tu n'as pas dit amen. Je te vois à Johannesburg. Tu n'as pas dit amen. Je te vois en Afrique du Sud. Tu n'as pas dit amen. Je te vois aller de nation en nation, de pays en pays, de village en village, de ville en ville. Je prophétise. Les nations se sont ouvertes. Les nations te sont ouvertes. Je prophétise. Je te vois gagner les âmes. Je te vois gagner les âmes. Je te vois commencer au Cameroun. Je te vois aller dans les pays voisins. Je te vois aller en Europe. Je te vois entrer en Asie. Je te vois entrer en Amérique. Je te vois entrer partout. Tu parleras de la part de Jésus-Christ. Là où tes parents ne sont pas partis, je te vois partir. Je te vois entrer. Si tu te lèves, dis un amen comme le. Regarde. Nous ne faisons la publicité de nulle part. Ce que je veux dire à quelqu'un ici, tu n'as pas de limite. Lève tes deux mains.
Je déclare, tu ne vas pas voyager le genre, tu te bats, tu ne dépenseras rien. Attends, j'ai rien dépensé. Rien. Même pas le passeport, rien. En fait, tu veux savoir, j'ai deux passeports en cours. L'ancien passeport que j'avais expire normalement d'ici peu de temps. Praise God. Il y a des gens qui m'ont dit, qui ont checké et qui m'ont dit que mon passeport expire. Et ils ont refait. Tu comprends ce que j'ai dit? On a refait ça. Et je ne sais pas combien fait le passeport. Donc si tu me demandes, je ne sais pas. Mais tu sais que j'ai un nouveau passeport. Amen. L'ancien n'a pas encore expiré. Il expire bientôt. Très bientôt quand même. Alléluia. Praise God. Ton logement va s'occuper de ça. Ton voyage, tout, everything. Je prophétise, si je suis ton pasteur, tu ne vas plus emprunter les mauvaises voies pour faire quelque chose. Je déclare sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Ce que Jésus m'a donné, je te transfère ça tout simplement. Donne-moi le meilleur de tes amers. 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 Regarde. Et si quelqu'un avait déjà emprunté les mauvaises voies pour un quelconque voyage, pour n'importe quoi, le Seigneur annule ça. Il te met sur la bonne voie. Tu comprends ce que je dis là? Il te met sur la bonne voie. Tout mauvais emploi que tu as, ça finit. Dieu te donne un bon emploi. Tu ne m'as pas dit un amen comme il se doit. Regarde, je veux prier. Pas seulement que tu prospères, mais que tu prospères de la bonne manière. Afin que Satan ne réclame rien de ce que tu as. Ils ne sont pas ici. Laissez-moi vous dire pourquoi certaines personnes travaillent à la fin, à 30 ans, 40 ans, 45 ans plus tard. Après, la personne tombe malade. Après, le boulot finit. Va regarder comment tu as eu ce boulot. Parfois, on a acheté ça. Parfois, tu as utilisé les mauvaises voies pour être là-bas. Et parfois, quand des problèmes arrivent là où tu travailles, ne pleure pas. C'est Dieu qui est en train de combattre ce que tu as pour te donner la vraie chose. Parce que ce que Dieu n'a pas bâti, il va détruire ça. Alors, il dit ceci. Détruisez ce temple que vous avez construit. Il dit que je vais... Il dit, moi, Dieu, je vais le reconstruire en 3 jours. Parce que le temple où je vais habiter désormais, ce ne sont pas les hommes qui ont fabriqué ça. Donc, il y a les choses que tu as. Ton boulot fini, ton foyer fini, telle chose finie. Ne pleure pas. Parfois, c'est la main de Dieu qui détruit ça. Parce que ce n'est pas la main de Dieu qui a bâti la chose. Et Dieu dit que Moïse, tu vas bâtir le temple selon le modèle que je t'ai montré. Parle un autre modèle. Alors certains ont bâti le temple, mais pas comme le modèle de Dieu. Dieu tend sa main, il détruit. Ton boulot fini, ton emploi fini, tes affaires finissent. Pourquoi tu pleures? C'est que Dieu dit, je vais rebâtir le temple. Je vais rebâtir le temple, mais selon mon modèle, avec pour fondation la sainteté. Il dit néanmoins, ce solide fondement reste debout avec cette parole qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît tout ce qui lui appartient. Et quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Là où il y a quelque chose qui est bâti sur le modèle avec l'iniquité, Dieu va tendre son doigt pour détruire ça. Quand ça finit, ne pleure pas. Dieu t'a épargné de l'enfer. Parce que si tu grandis dans la chose, tu meurs, c'est pour l'enfer. Donc étant sur terre, Dieu tend son doigt et il détruit. Il dit, la relation là ne venait pas de moi. La chose là ne venait pas de moi. La voiture là qui est partie ne venait pas de moi. La promotion là ne venait pas de moi. Ton petit ami là ne venait pas de moi. Ta petite amie là ne venait pas de moi. La chose là ne venait pas de moi. Ne pleure pas quand quelque chose finit. Demande-toi si ça venait de Dieu. Parce que si c'est Dieu qui détruit, il va te donner ce qui est bon. Il dit, détruisez le temple là que vous avez construit. Il dit, je vais me reconstruire un temple en 3 jours. Et il dit, le temple que je vais construire, ce n'est pas ce que les mains ont construit. Tu n'es pas ici. Quand certaines relations ont quitté ta vie, ne pleure pas. Parfois, ces relations-là t'apportaient ce qui était bien ou ce qui était bon. Mais Dieu veut te donner ce qui est meilleur. Dieu veut te donner ce qui est meilleur. Donc ne pleure pas quand le bon te quitte. C'est que le meilleur est sur le point de se manifester.
Et le meilleur n'arrive jamais quand il y a encore le bon. Est-ce que je prêche? Aller aux États-Unis, en France, dans un pays, ce n'est pas un exploit. C'est naturel. Dieu a déjà dit, Jésus a dit. Jésus nous a donné les passeports et les visas en disant ceci. Vous allez commencer à Jérusalem, ensuite en Judée, après en Samarie, jusqu'aux extrémités. Et il dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Cette parole de Jésus va s'accomplir. Vous devez aller jusqu'aux extrémités. Donc, partir en Turquie, ce n'est pas un exploit. Partir en France, ce n'est pas un exploit. Partir au Ghana, au Nigeria, ce n'est pas un exploit. Partir en Belgique, Italie, Sénégal, ce n'est pas un exploit. Attends-toi à voir même ton jet privé. Regarde les chrétiens. Attends, ton problème c'est que le monde t'a fait miroiter quelque chose. Tu vois que c'est trop grand. Avoir le jet privé trop grand pour Jésus. La terre, tout ce qu'elle renferme, lui appartient. C'est ton niveau d'intimité avec lui qui te permet d'avoir un certain nombre de choses. Pas pour toi, pour lui, mais à travers toi. Oh. Hello? Il dit à quelqu'un l'autre jour, on doit construire sur le terrain, mais il faut qu'on me dise 500 milliards. Il dit, hey, ce n'est pas beaucoup. It's not a lot. Si Dieu te donne 500 milliards, ça ne va rien enlever au ciel. L'or et l'argent. Cessez de voir les choses où c'est trop grand. Et après tu vas venir chanter. Il est si grand qu'on ne peut le surmonter. Il est... Tu vois, Dieu est grand, frère. Ce à quoi je pense, ce que je vois Dieu faire, ça va tout simplement venir de mon niveau de méditation. Enfant de Dieu, vous ne servez pas un Dieu qui est petit. Vous servez un grand Dieu qui est tout puissant. C'est pourquoi je dis aux gens, cesse d'avoir un petit boulot de 100 000 ou de 200 000 ou de 300 000 et tu ne viens plus à l'église jusqu'à ce que tu penses que tu as quelque chose. Quand tu as 200 000, tu n'as rien. Attends, je te fais les calculs. Quand tu as 200 000 fois 12 mois, ça fait combien? Ça fait 2 400 000. Bon, tu connais qui? Gagnant l'argent va épargner chaque mois 200 000, 200 000. Donc quand tu as 200 000, ton vrai salaire dedans, c'est peut-être 60 000. Ton transport est dedans, ta nourriture est dedans, ton logement, tout est dedans, ton logement est dedans, habillement est dedans. Si tu es malade, les comprimés dedans. Donc quand tu as 200 000, tu crois que tu as le boulot, mais tu as 300 000. Tu n'as rien! Pour avoir 2 400 000, il te faut faire toute une année sans rien toucher dedans. Ce qui n'est pas possible. Donc même quand tu as 300 000, tu n'as toujours rien. Donc cessez d'avoir des petites choses et penser comme bon. Je ne pas manger au restaurant climatisé et je me parfume. La vie, cherche Dieu. Dieu veut te donner des choses que quand les gens vont te regarder, ils vont dire quoi, passi à combattia. Tu comprends ce que je dis? Et tant que tu payes 150 000, tu penses que tu as l'argent. Tu vas faire combien d'années pour toucher 1 million? Essaye un peu de me dire. Tu ne peux pas épargner 100 000 chaque mois. Impossible. Donc ce qui coûte 1 million, tu ne vas jamais réaliser ça. Mais toi, ta famille sera contente et dit que tu travailles quand même. Tu touches 100 000 ou 150 000 ou 175 000. On ne sait pas que tu es esclave. Alors qu'une activité personnelle que tu mets, ça peut te faire remporter aujourd'hui 100 000, demain 50 000, après demain 80 000, ainsi de suite. Ça te fait gagner. Et quand tu as 100 000 ou 150 000 ou 200 000 ou 250 000 de salaire, tout au long du mois, tu ne peux rien avoir. Tu attends seulement après 30 jours pour toucher ça. Donc tu ne peux pas vivre au-delà de ces, de ces 200 000 qu'on te donne. Parce que par mois, ce n'est que ça que tu as. Tu n'as pas. Tu sors à 7 heures, tu rentres à 18 heures ou 19 heures. On t'a emprisonné. Après 5 ans, tu n'auras rien. Fais les calculs. Ah, on fait les calculs, non? Qui touche 200 000? 200 000 pour avoir 2 400 000, il te faut faire 12 mois. Ce n'est pas vrai. Donc pour toucher 5 millions, il te faut faire combien de mois? Il te faut combien? Près de 2 ans. Hein? Pour avoir 5 millions. Donc toi là, au bout de 5 ans, tu auras gagné, économisé combien? Or,
Quand tu touches les 200 000 là, tu ne gardes pas, tu n'épargnes pas tous les 200 000. Tu as ton logement dedans, ta nourriture dedans, ton habillement dedans, si ton taxi est dedans. Si tu veux, tu es malade, les comprimés sont dedans. Donc tu n'as rien. Tous les gens qui achètent, finissent l'école attendent être embauchés pour gagner un pareil argent. Ils sont des esclaves, mais ils ne savent pas. Monte une activité, commence et vois et dis-moi combien tu gagnes. Aujourd'hui, tu peux gagner 80 000, demain, tu peux gagner 150 000, demain, tu peux gagner 200 000, ainsi de suite. Tu gagnes 10 000 fois que celui qui attend qu'à la fin du mois, on lui donne les 200 000. Acclame Jésus pour la sagesse. Et te vois aller loin. Et te vois aller loin. Je te vois aller loin. Je dis, je te vois aller loin. Je te vois aller loin. Mets-toi sur tes jambes. On a un programme bientôt aux États-Unis. Cette fois-ci, j'étais annoncé. J'étais annoncé cette fois-ci. Hello. Et ce n'est pas un exploit. And it's not an exploit. Pas du tout. Not at all. Si tu es connu à cette grâce, la même faveur vient sur toi. Praise God. Logement réservé, les véhicules placés pour toi, tout est organisé, planifié. Aucun sou à dépenser parce que tu es prince de Jésus-Christ. Praise God. Lève tes deux mains. Au nom de Jésus-Christ. Regarde, je te vois être chargé de la parole. Ton caractère, c'est le caractère des Écritures. Quand tu vas sortir les paroles de ta bouche bientôt, on va voir comment la parole va sortir de toi. La parole va sortir de toi. Quand tu vas ouvrir ta bouche, ça va être la parole. Ça va sortir. Et ça va amener tout ce qui concourt à ta réussite vers toi. Ça va amener vers toi tout ce qui concourt à ta réussite. Tout ce qui concourt à ta réussite. Ça va mener vers toi tout ce qui concourt à ta réussite. Tout ce qui concourt à ta réussite. La parole va mener vers toi tout ce qui concourt à ta réussite. Quiconque pense qu'il veut t'écraser, il est en train de vouloir écraser la parole. Et on n'écrase pas la parole. On n'écrase pas la parole. Donc personne ne pourra t'écraser parce qu'on n'écrase pas la parole. On ne peut pas écraser la parole. Quiconque pensera vouloir t'écraser, il ne pourra pas. Parce qu'on n'écrase pas la parole. On n'écrase pas la parole. Est-ce que tu sais que, à force de confesser la parole, à force de confesser que tu es participant à la nature divine, que la parole de Dieu vient en toi, est-ce que tu sais que ton corps va s'habituer à cette parole? Les virus, les gènes, les microbes ne pourront plus attaquer ce corps. Parce que ça va trouver la parole anti-corps. La parole de Dieu va devenir quelque chose de très agressif contre les virus dans ton corps. Parce que la parole est vivante et elle est efficace. La parole est vivante et elle est efficace. Si elle t'envahit, si la parole t'envahit, alors tu es envahi tout simplement de Dieu. Laisse seulement que la parole sorte de toi. Même quand tu parles avec ton patron, ta patronne, tes collègues, tes camarades, qu'ils voient seulement les versets. Qu'ils voient juste la parole. Les versets qui sortent de toi. Et eux-mêmes, ils se demandent, qu'est-ce qui se passe? This is the word. C'est la parole. The word of God. La parole de Dieu. La parole de Dieu. The word of God.
La parole de Dieu. The word of God. The word of God. La parole de Dieu. Laisse que la parole te sature. Let the word quand le culte finit et tu causes tout à l'heure avec quelqu'un, demande-toi un peu quelle parole va sortir de moi. Laisse que la parole sorte. Ne fais pas les commentaires comme quelqu'un du quartier. Tu n'es pas du quartier. You are a child of God, born of the word. Born of the word. Quand j'ai commencé à lire la Bible, à lire la parole, quand je me retrouvais avec mes tantes, ma maman et les autres, je sortais les versets bibliques. Certains disaient, tu es déjà devenu pasteur. Mais jusqu'aujourd'hui, on a cessé maintenant de dire, tu veux seulement devenir pasteur. C'est que la parole m'a inondé. On sait seulement que c'est un homme de Dieu, c'est tout. Laisse que la parole t'inonde. Laisse que la parole t'inonde. Thank you, Lord. Barreados qu'il a. Laisse que cette parole t'inonde. Laisse qu'elle t'envahisse. Laisse qu'elle t'envahisse. Laisse qu'elle t'envahisse. Laisse qu'elle t'inonde. Qu'elle soit dans ton cœur et dans ta bouche. Va toujours vers la parole. Cesse de réfléchir. Je vais faire comment? La stratégie, c'est quoi? Ne cherche plus les stratégies. Tu n'es pas mondain. Les mondains cherchent des stratégies en mentant. Toi, tu n'es pas mondain. Tes stratégies sont divines. C'est la parole. Mais la parole, quand tu sors, parle à ta chose. Parle à tes vêtements. Parle à ta porte. Parle à ta cuisine. Parle à ta chambre. Parle à ton salon. Parle à tes effets. Parle à ta voiture. Parle à tout ce qui est à toi. Parce que tout ce qui a été créé par la parole connaît la voix de la parole. Et tout ce qui a été créé sur cette terre a une intelligence. Tu peux parler à ce poteau, il écoute. Tu peux parler à cette serviette et elle écoute. À ce mouchoir, il écoute. Tu peux parler à ce costume, il écoute. Parce que Jésus-Christ a parlé à l'arbre. L'arbre a écouté. Qu'on ne mange plus tes fruits. L'arbre a dit, yes, l'arbre est mort. Les racines sont mortes. Le lendemain, les feuilles avaient séché. Jésus a parlé aux vagues de la mer. Les vagues ont dit, yes, on obéit. Les vagues se sont calmées. Apprends à parler. Parle à ton ventre. Parle à ta tête. À ta tête. À ta taille. Parle à tes pieds. Parle à tes yeux. Parle. Jusqu'à ce que la chose se passe. Si tu veux que tes yeux deviennent plus gros, plus petits, parle à tes yeux tous les jours. Avant de te rendre compte, un jour, ça va prendre la forme. Parce que ça va entrer dans ton subconscient. Et les yeux, l'intelligence des yeux va capter cette parole qui sera la parole de la foi et ça va obéir. N'arrête pas de parler. Mais là, relâche la parole. Ne parle pas la stupidité, parle la sagesse. La parole de Dieu, c'est notre sagesse. Relâche la parole. Relâcher la parole, c'est relâcher la sagesse. La Bible dit, l'insensé fait sortir beaucoup de paroles et la condamnation se trouve dans ce qu'il dit. Je prie pour toi que la parole déborde, inonde ton cœur et ressorte par ta bouche. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Assieds-toi, prends ton offrande, prends ta semence. Prochaine croisade, les États-Unis, tu es informé. Mes proches m'ont quitté, amis et famille m'ont tourné le dos, mais tu as été toujours là, jamais tu m'as trahi. Mes proches m'ont quitté. Lève tes deux mains, lève ton offrande, ton offrande est ointe au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est dessus au nom de Jésus. Amen. Dépose. Jésus, je lève mes mains vers toi. Jésus, je me prosterne pour t'adorer. Jésus, je lève mes mains vers toi. Jésus, je me prosterne pour t'adorer. Jésus, je lève les mains vers toi. Jésus, je me prosterne pour t'adorer. Wow, la sœur est serrée. Ta chaussure est magnifique.
Jesus. On appelle ça boue, ne me teste pas. Chai. Non, tout le monde doit acheter ça. Forcément, voilà, c'est là, tu dis là, voilà, prie. Peut-être que c'est venu de l'étranger. Tu passes seulement ta part de commande. Hello. Pour faire du cœur, s'il dérange. La main du Seigneur est sur toi. Quiconque est venu malade, moi, en tant qu'homme de Dieu, prophète de Jésus, je déclare à ton sang, à ta chair, à tes os, à ton corps, la vie éternelle. Reçois la santé dans tout ce qui concerne ton corps. J'envoie la parole te guérir maintenant. La Bible dit que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole. J'envoie la parole te guérir. Que ce soit la maladie du sang, des os, de la chair. Dans ton estomac, le pancréas, le foie, peu importe ce qu'on a dit à l'hôpital, si tu ouvres ton cœur, tu vas rentrer ici avec la santé. Le même Dieu qui a commandé au paralytique de s'élever, le même Dieu qui a parlé, les choses arrivent. C'est le même Dieu qui parle par ma bouche. Je dis que, quelle que soit la maladie, 3 jours rentre à l'hôpital, il n'y a aucune trace de maladie dans ton corps. Et tu apportes un témoignage ici. Parce que la parole a la capacité, le pouvoir de te guérir. J'envoie la parole. La parole. Cure cette maladie maintenant. La parole enlève cette maladie. Cancer. Lipome. Tumeur, VIH, chlamydia, paludisme, hémorroïde, malaria. Paludisme. Je prophétise. Au nom de Jésus-Christ. La parole apporte la vie dans tout ton corps au nom de Jésus-Christ. Comme peu importe ce qu'on a dit dans tes yeux, la plante de tes pieds, la parole apporte la santé là-bas au nom de Jésus-Christ. Tu vas voir que 72 heures ne vont pas passer. Tu es totalement libre. Totalement libre. Les femmes qui ont les myomes ou les fibromes, tu vas te lever le matin, tu vas trouver ça, le tas, ça se dépose là comme ça à côté de ton lit. Un ange t'opère pendant que tu dors. Au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu guérit ton sang. Guérit tes os. Fontifie tes os. Guérit ton ventre. Guérit le mal de pied. Guérit le mal de pied. Le mal de main. Le problème de nerf. Au nom de Jésus-Christ. Je te déclare libre et guéri au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu n'es pas guéri seul. Tu transportes cette parole. Là où tu vas entrer, quiconque est malade, ne lui impose pas la main, parle seulement. La personne aussi est guérie. Donc si tu connais quelqu'un qui est malade, quand tu sors d'ici, appelle la personne au téléphone, dis au nom de Jésus-Christ. J'ai reçu une instruction de la part de mon pasteur de prier pour quiconque est malade. Déclare seulement, j'envoie la parole te guérir. Je t'annonce qu'en moins de 24 heures, la personne sera guérie. La guérison est la chose la plus simple. Quand ton cœur est ouvert, c'est la chose la plus facile et plus simple. C'est comme avoir l'argent étant en Christ, c'est la chose la plus simple. Au nom de Jésus-Christ, reçois la guérison. Reçois la force dans tes pieds. Reçois la vie dans ton corps. Et toi qui es dans les dettes et tu ne sais plus quoi faire, relax. Je commande l'argent sur ta direction maintenant. Money on your way. Tu n'as pas dit amen ici. L'argent sur ta direction maintenant. Money on your way right now. Tu sais, ça vient de partout. Je te vois venir témoigner et donner ta sémence. Il y a des gens qui veulent partenaire ministériel mais qui n'ont pas l'argent. Je prophétise, avant dimanche, tu as l'argent. Avant dimanche, tu deviens partenaire ministériel. Avant dimanche, tu deviens partenaire ministériel.
Regarde, que ce soit par activité ou par faveur, reçois l'argent au nom de Jésus-Christ. Que ce soit par ton activité ou par la faveur, reçois l'argent au nom de Jésus-Christ. Reçois l'argent au nom de Jésus-Christ. Regarde, j'envoie la parole. Je t'enseigne le secret spirituel maintenant. J'envoie la parole. Elle va créer des circonstances. Que tu aies une activité, que tu vendes, que tu travailles au bureau, que ce soit par la faveur, reçois l'argent au nom de Jésus-Christ. 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 Je vois au moins 50 personnes devenir partenaires syriens. Parce que pendant que je parle, l'ange des finances qui m'accompagne est en train de regarder les gens qui ont le cœur sincère. L'argent vient dans ta direction au nom de Jésus-Christ. L'argent vient dans tes mains. Pas seulement pour résoudre tes factures. Pas seulement pour les résoudre. Résoudre tes problèmes. Non, ça vient assis. Tu vas résoudre, il y aura un reste. Ton amen n'est pas solide. Reçois chacune de mes paroles comme venant du Saint-Esprit. L'argent vient dans ta direction. L'argent vient dans tes poches. L'argent vient dans tes mains. Ça vient de partout. La France, le Canada, de la Belgique, des États-Unis, du Maroc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Ghana. Ça vient de la Belgique, de l'Italie. Ça vient de partout. Ça vient du Brésil. Ça vient de l'Afrique du Sud. Ça vient de partout. Je commande l'argent dans tes mains. Ça vient de l'Angleterre. Je commande l'argent dans tes mains au nom puissant de Jésus-Christ. Mes félicitations. Acclame le Seigneur. Mets-toi sur tes jambes. Lève tes deux mains. Tu es béni. La sœur Myriam, mets tes deux mains sur ta tête. Sister Myriam, put your two hands upon your head. Je peux te dire quelque chose. Can I tell you something? Tu as peur. Are you afraid? Je te dis comme j'ai vu. Can I tell you like I saw? La main du Seigneur vient seulement sur toi. Amen. No, the Lord. Regarde. Hein. Upon you. Look. Je prie que I pray tu ne sois pas en train d'attendre un enfant et tu te disputes child. Avec quelqu'un. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends ce que je dis? Amen. Ah, mes yeux sont ouverts, le ciel est en réunion et j'entends des paroles. Thank you. Je prie pour toi. Que tu ne sois pas comme une femme qui attend un bébé et tu te disputes avec quelqu'un et entre un mercredi et un vendredi, la chose ne se passe pas bien. Je prie pour toi. Viens comme ça. Stop, ne bouge pas, reste là. Tu n'entends pas un bébé, non? Hein? J'attends un bébé. Tu dis? J'attends un bébé. Voilà. Ah, maya nanana. Kosaya mama mama. Andala baya nana. Il s'est arrivé comme un mercredi, un jeudi et un vendredi. J'ai vu des disputes, des disputes, ce n'était pas bien. Je t'ai pas vu depuis. Ah Seigneur, mets tes deux mains que je prie que la chose que je vois n'arrive pas. Si ça arrive, it's not good at all. Ce n'est pas bien du tout. Tu m'as dit que tu attends un bébé. Oui, papa. Hein? Oui, papa. Tu m'as dit que tu attends un bébé. Non. Hein? Non. Parle fort au micro, on ne comprend pas. Non. Tu attends un bébé ou tu n'attends pas? J'attends un bébé.
Tu m'as dit que tu attends un bébé? Non. Ok. Regarde, je vois quelqu'un porter une culotte comme ça. C'est comme un jean. Un jean. Avec un tricot. Je vois une dispute entre un mercredi et un vendredi. Ce n'est pas bien. Je prie. Ça, c'est un mauvais esprit qui va opérer ici. Si ça se passe, ce ne sera pas bien. Quand je te vois comme ça, je vois quelque chose. À côté d'elle quand même, tu as su qu'elle attendait un bébé. Tends le micro ici. Tu as su qu'elle attendait un bébé? Non, papa. Bien vida. Praise God. Regarde. Tendez les mains vers elle. Ce que je vois arriver, je ne souhaite ça à personne. La dispute est bête. C'est un démon qui opère ici. Chaque fois que tu pries pour un frère, je te donne la révélation aujourd'hui. Ce n'est pas le frère pour qui tu, ce n'est pas pour le frère que tu pries seulement. Ce n'est pas seulement pour le frère que tu pries. Chaque fois que tu pries pour un frère à l'église, tu es en train de dire à Dieu, même si la chose ne m'est pas encore arrivée, que cela ne m'arrive jamais. Numéro 1, tu as en train de faire deux prières. Premier sujet, tu as en train de dire, même si la chose n'était pas encore arrivée, que cela ne m'arrive jamais. Deuxième sujet de prière que tu élèves, tu es en train de dire à Dieu que le jour où quelque chose m'arrive, de la même manière que je prie pour le frère, que plusieurs aussi prient pour moi. Ah, les gens ne sont pas ici. Mais si tu ne pries pas pour quelqu'un et tu dis ça ne me concerne pas, Galates 6 verset 7, ce que l'on aura semé, il le moissonnera. Le jour de ta part, personne aussi ne va prier. Aimez toujours prier quand ça concerne quelqu'un. Vous êtes en train de semer une bonne semence. Tendez les mains vers elle. Parce que si ça ne te concerne pas, ça peut concerner ta fille, n'est-ce pas? D'accord. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Aïe, aïe, aïe. Ne te dispute pas dans cet état. Oui, papa. Tu as commencé les disputes. Oui. Tu as commencé les disputes. Oui. J'en ai une. Tu as dit? J'ai eu une dispute. Quand ça? Il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines? Oui. Avec un homme? Oui. C'était un peu chaud. Oui. C'était un dimanche. Un dimanche. Aïe, aïe, aïe. Ceux qui me connaissent savent que je suis en train de cacher quelque chose, n'est-ce pas? Qui c'est ça? Qui c'est ça? Donc vous savez que je cache quelque chose. D'accord. Tendez donc les mains vers votre sœur. Quelqu'un dit, Seigneur, ta grâce, ta miséricorde, ta grâce, ta miséricorde, ta grâce, ta miséricorde, ta grâce. S'il vous plaît, marchez dans la crainte de Dieu. Amen. Ne laissez pas les portes de Dieu s'ouvrir et vous les fermez encore vous-même. Tendez les mains vers quelqu'un dit, Seigneur, ta grâce, ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Ta grâce, ta miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Ta grâce, ta grâce, ta miséricorde, ta grâce. She's crying. Ta grâce, your grace. Ta grâce, your grace.
Ta grâce. Your grace. Ta miséricorde. Your mercy. Ah, quelqu'un peut s'appeler cela que Fifi. Hmm? Fifi. Fifi, c'est qui? Viens un peu toi. Qui est Fifi? À ton neveu. Il est où? Il est à Yaoundé. C'est l'enfant de qui? C'est l'enfant de mon frère. Toi-même, tu es l'enfant de qui? Maman Matt. C'est ta fille là-bas. D'accord. On prie pour lui qu'il ne tombe pas dans l'eau. Au nom de Jésus-Christ. Tendez les mains ici vers. Tends les mains. La main du Seigneur est sur toi. Au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est sur toi. Ce que je vois n'est pas bien. Je vois effectivement ça se passe entre le vendredi là. Donc quand j'ai dit entre mercredi et vendredi, ça se passe vendredi, samedi, dimanche, on l'interne. C'est pas bien. Miséricorde. Merci. Grâce et miséricorde. Grace and mercy. Grâce et miséricorde. Grace and mercy. Grâce et miséricorde. Grace and mercy. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Vous êtes tous bénis. Vous êtes tous favorisés. Au nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous, vous êtes les enfants de la parole. Utilisez la parole pour parler à vos situations. Utilisez la parole pour répondre à vos prochains. Utilisez la parole. Donnez-leur des versets bibliques comme comprimé, comme posologie. Utilisez la parole. Lisez la parole, gardez ça dans vos cœurs. Redonnez ça aux gens. Parlez la parole, confessez la parole, déclarez la parole. Ne parlez plus les choses que vous voyez. Dites ce que la parole de Dieu dit. Dites ce que la parole de Dieu dit. Quand les gens vont vous dire que ça ne va pas, vraiment, est-ce qu'on va s'en sortir? Dites-leur. Il est dit, il est écrit. Celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Oh, je suis fatigué d'attendre. Dis-le, celui qui se confie en l'Éternel renouvelle ses forces. Tu es fatigué parce que tu n'étais pas confié en l'Éternel. Si tu te confies en l'Éternel, tu vas renouveler tes forces. Amen du Seigneur sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Tu es béni. 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 Si tu as ton mouchoir est loin. Au nom de Jésus-Christ. Je vois Dieu faire des miracles à travers ce mouchoir dans tes mains. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare. Partout tu entres avec ce mouchoir, que la faveur soit de ton côté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que la faveur soit de ton côté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Shalom. Changbella, attends-moi. La sœur Marie-Jabet aussi attend.